Le récap avec Société Générale, c'est royal. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap. Tout va bien, hein, une émission absolument normale puisque Xavier vient de nous dire que les vidéos arriveront juste à la fin pour mettre Rizzo, tu vois, dans le seum, qu'il ait la goutte qui coule un petit peu. C'est, je pourrais les mettre là, mais j'ai pas trop envie. Voilà. On va attendre une heure. Bah, attends tranquillement. Hugo, comment ça va? Ça allait jusqu'à ce que je lance la démo de Immortals Phoenix Rising. Oh, t'as testé sur Stadia, et alors, qu'est-ce qui marche pas, Stadia ou le jeu? On en parlera tout à l'heure. Ah, on ne spoil pas, merveilleux. Ah, Xari, oui. Ça va bien, je te demande pas, on s'est déjà vu dans l'émission JDH, c'était cool, voilà. Oui. C'est merveilleux. On est avec Sunday aujourd'hui, comment va Sunday? Bah écoute, ça va bien, grosse journée, ce matin dans le matin, ce soir dans grosse le Grosse nuit camp. Aussi. Grosse nuit dans Webedia. La meuf a dormi au bureau. Mais... écoute, il y a des canapés incroyables ici. Voilà, je t'as vu, ils sont OK. Hein. Ils sont quand même très OK. Je mets une jolie note sur Airbnb. C'est bien passé la matinale? Ça s'est très bien passé. Ils m'ont tartiné, un oh régal. Ah non, 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 non. C'est le terme c'est employé. C'est le terme employé. Non, mais depuis hier, tu emploies des termes très louches avec Norman. Il n'y a pas Norman, je suis sage aujourd'hui. C'est lui qui m'influence négativement. Aujourd'hui, il n'est pas là, donc je suis sage, je suis raisonnable. Et juste à côté de toi, on est avec Zekaria, comment ça va? Salut, bah merci pour l'accueil, ça va super, très content d'être là. Nouveau chroniqueur dans le récap, ça fait voilà. Super plaisir. Voilà. Alors évidemment, non, la vérité, c'est que tu es venu avec quelque chose devant toi, un livre qui est sorti il y a quelques mois. Il y a un mois, ouais, c'est ça, il y a un petit peu plus d'un mois, il est sorti le 17 septembre. C'est notre nouveau bouquin, c'est le deuxième qu'on a écrit avec du coup Florian et François, donc toute la team Mummy Twink. Il s'appelle Histoire de guerre. C'est alors, ça. De quoi ça parle? Et ben, tu nous en parles un petit peu? Ouais, pas de problème. Histoire de guerre, c'est une série qu'on a montée sur YouTube avec Florian et François, parce que nous, on est passionnés d'histoire, c'est un truc qu'on adore. On en fait des explorations, on va explorer des lieux historiques abandonnés de nuit, et on aime bien aussi tout ce qui touche à... On rappelle que c'est effectivement pas votre premier livre, ouais, puisque il y avait déjà les explorations nocturnes avant. Exactement, et ça, c'est le deuxième concept d'émission. On voulait raconter des histoires, parce qu'il se passe énormément de choses pendant les conflits. Il y a plein de petites histoires dans la grande, et on a choisi des récits insolites et méconnus des grands conflits du XXe siècle. C'est et pas donc, un roman, c'est pas quelque chose qui se lit d'une traite, non. C'est plein de petites histoires. Voilà, c'est ça, il y a sept histoires, et ça reprend les histoires qui ont fait le succès de la série sur la chaîne, et il y a aussi de l'inédit, on a réécrit tous les textes, on a beaucoup travaillé la recherche, on l'a fait valider par... un historien qui nous a suivis pendant tout ce projet, et ça raconte des histoires un peu invraisemblables comme ce japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Un exemple. Ouais, bien sûr. Ou tu vois par exemple Hiro Onoda, c'est un soldat japonais qui en 1945, donc c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon est en train d'être défait par les États-Unis, l'URSS. La guerre s'arrête en milieu 1945 et ce soldat japonais, Hiro Onoda, il est sur une île des Philippines et il a un ordre, c'est de tenir la position. Et en fait, il va tenir la position jusqu'en 1974. Ils sont quatre au début et petit à petit... Au début, ils sont quatre. Ouais. Et les Américains arrivent sur l'île, donc eux vont se retrancher un peu dans la jungle des Philippines, un peu sur les hauteurs de l'île. Et en fait, il va rester... tenir sa position jusqu'en 1974, jusqu'à ce qu'un étudiant japonais, donc ça fait quand même 29 ans que la guerre est finie, et les Japonais envoient des tracts pour dire aux soldats arrêtez de vous battre, ça sert à rien, la guerre est terminée, etc. Et lui, il est persuadé que non. Il est persuadé que la guerre n'est pas finie. Mais pourtant, il voit les trucs qui disent c'est fini. En fait, il se dit, mais ça, c'est de la propagande. Les Américains, ils sont fourbes, ils veulent me faire sortir de ma cachette. Et en fait, il rend les armes en 1974, quand un étudiant japonais le trouve dans la jungle, lui dit mais c'est fini, et il dit je ne me rendrai pas tant que j'en aurai pas reçu l'ordre de mon supérieur. Donc l'étudiant rentre au Japon, va retrouver l'ancien supérieur qui est devenu libraire,
Et le super remet son uniforme, retourne sur l'île et lui donne l'ordre d'arrêter de se battre. Et c'est un des derniers soldats qui a fait la Seconde Guerre mondiale. Ouais, imaginez qu'on est en 1974. Quoi. Et quelle est la taille de son seum quand il se rend compte qu'il a perdu 30 ans de sa vie? Ah bah, alors ça, je sais pas du tout, mais ce qui est fou, c'est qu'il avait, avait peut-être femme et enfant, c'est terrible. Bah, surtout qu'il a continué à se battre, donc il a probablement fait des victimes. Il a tué des innocents. Il a probablement tué des innocents. Alors, il a été amnistié par le président des Philippines à l'époque. Il a rendu son arme, il a rendu... Donc, il avait encore une arme fonctionnelle, des munitions, des grenades, son sabre. Il économisait, le gars, quoi. Mais il était, il a été en mode survie extrême pendant près de 30 ans. Donc, ce genre d'histoire qu'on a choisi de raconter dans le livre, il y en a plusieurs comme ça, il y en a 7. Et chaque histoire apporte quelque chose de différent. Il y a la fameuse histoire de Noël dans les tranchées qui est aussi assez connue, où les soldats, le jour de Noël en 1914, ont décidé d'arrêter de se battre et ont... à certains points du front fraternisé, ils jouent au foot entre les tranchées, puis du coup le lendemain, quelques jours après, ils sont retournés se tirer dessus, donc voilà, c'est une des nombreuses histoires. Il y a combien d'histoires? Alors on a choisi de raconter 7 histoires. Il écoute pas, lui. Tu peux lui dire, tu peux lui chier à la gueule, il t'a pas écouté, hein. Alors que moi je savais que c'était 7, il a dit tout à l'heure. Bah, ça va, ça permet de rappeler les choses, calme-toi. Combien ça coûte? Le livre coûte 15,95€. J'ai cru que t'allais dire 7 euros. Il a dit le prix tout à l'heure, tu n'écoutes pas. D'accord, tu sais. Bah, du coup, je t'ai pas écouté vraiment là, c'est combien le prix? Le livre coûte 15,95€. Ok, et on peut le trouver partout? C'est qu'en ligne ou non, c'est dans toutes les bonnes librairies, à la Fnac, Amazon, enfin voilà, ça s'appelle Histoire de guerre, Mummy Twink. Le cadeau idéal pour un futur Noël. Eh bien, exactement, pour les fans d'histoire. Et même, ce qu'on aimerait vraiment, c'est que des gens qui ne connaissent pas du tout notre chaîne ou ce qu'on fait sur YouTube trouvent le livre cool, le lisent, juste parce qu'ils aiment l'histoire, parce qu'ils trouvent ça sympa. Juste parce que c'est écrit Mummy Twink. Ouais, voilà, c'est ça. Et on a voulu rendre le truc super accessible. C'est-à-dire qu'avant chaque chapitre, il y a un contexte historique, on va expliquer un petit peu ce qui se passe en 2-3 pages, histoire qu'on comprenne et qu'on se mette dans l'histoire. C'est très très accessible et on l'a aussi richement illustré avec plein d'images d'archives qui sont complètement dingues, qu'on allait chercher dans les tréfonds des archives, qui permettent de remettre tout ça en contexte et tout. C'est raconté du point de vue de la personne ou d'un point de vue extérieur? C'est genre c'est incarné ou pas? C'est pas incarné, alors, non, c'est pas incarné, on n'est pas dans le... C'est pas comme dans un roman, on va narrer les faits, voilà, c'est ça. Année 28, j'attends encore les ordres de mon supérieur. Okay, non, c'est comme sur la chaîne YouTube, c'est retranscrit. Voilà, c'est un peu dans le même esprit que la chaîne YouTube. On a voulu garder l'esprit de ce qui a fait le succès d'Histoire de guerre. Et puis, c'est des histoires inédites où toutes les histoires qui sont dans ce livre se trouvent sur la chaîne YouTube? Alors, pas toutes, mais vous pouvez en retrouver vous pouvez en retrouver certaines en vidéo. Bah, celle de Hiro Onoda, par exemple, le japonais, elle existe sur la chaîne. Il y en a plusieurs qui existent sur la chaîne comme ça, celle de Noël aussi. Mais il y a aussi une histoire surprise que je vous laisserai le soin de découvrir. Et vous avez dans l'idée d'en faire d'autres des bouquins, je suppose, parce que vu que vous êtes bien parti là avec le deuxième. Quel est l'avenir? Et pourquoi pas justement, je sais pas, le co-créer ou le créer en live, vu que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de live sur Twitch aussi, pourquoi pas? C'est vrai, c'est une bonne idée. Après, je sais pas si ça se live vraiment, parce que regarder lire des livres, oui, c'est vrai, que les gens ont, etc. C'est vrai, ça peut rebondir de ouf, tu vois. Donc, c'est pas bête. Après, là pour l'instant, bon, déjà c'était énormément d'investissement pour celui-là. Je sais pas si on va tout de suite en faire un deuxième, mais c'était une super expérience et je t'avoue que ça me fait toujours quelque chose d'avoir le combien de temps de recherche et d'écriture. Ça fait un an et demi qu'on travaille dessus. Ah ouais, quand même. Ah oui. Ça fait un an et demi qu'on travaille dessus. Tu disais vous avez travaillé avec des historiens pour confirmer, c'est ça? C'est ça. Bah, on voulait. C'est quand même un livre qui parle d'histoire et c'est quand même important d'avoir de la rigueur, d'avoir de la justesse. On n'est pas forcément historien de formation et on a travaillé avec Patrick Godfar, qui est un historien, qui est enseignant, qui est très très calé sur les deux guerres du XXe siècle. Donc super un super support pour nous parce qu'il nous a beaucoup aidé, il nous a donner des sources. Il nous a aussi aiguillé dans la recherche de documents en nous disant ça c'est bien, ce genre de source faut éviter, enfin ce genre de truc. D'après Wikipédia, c'est ça. Source internet. Source internet comme les journalistes lisent de LCI ou quoi. Non, vraiment on a été épaulé par Patrick. Beaucoup de travail, du sérieux, des belles histoires, enfin peut-être pas toujours belles, je ne sais pas. On a essayé de raconter quand même des belles histoires. Bon, j'espère que, en tout cas, elles pourront susciter l'émotion, mais... Il n'y a pas que des happy endings. C'est quand même des histoires de guerre. Il y a quand même, on parle quand même de sujets qui sont
très sérieux, très graves, qui ont eu des conséquences sur le monde entier. Mais on a essayé de prendre des petites histoires dans la grande et de prendre des petites histoires qui sont un peu des lueurs d'espoir parce que par exemple, ce Polonais résistant qui va aller volontairement se faire interner à Auschwitz pour monter un réseau de résistance à l'intérieur du camp et qui va tout documenter, qui va envoyer des documents, qui va réussir à faire sortir des documents. Et au bout de 3 ans, donc déjà il a survécu 3 ans dans cet enfer, il arrive à s'échapper pour du coup aller faire un rapport pour les alliés. Insane. Le boss. Il y a c'est des histoires comme ça qui nous ont bouleversés. On va avoir tout le bouquin là, on a déjà 300. Non, on y est presque. J'arrête, je vais pas tout spoiler parce que voilà, il y a. En vrai, ça donne vraiment envie, c'est cool. Alors, question qui peut paraître bête, parce qu'évidemment, plus les années avancent, plus il y a moins de chances que ça arrive. Y a-t-il des gens dont vous parlez dans ce livre qui aujourd'hui sont encore en vie? Alors, c'est une très bonne question. Je pense pas. La guerre la plus récente dont vous parlez dedans, on parle de la Seconde Guerre mondiale ou est-ce qu'on va taper dans, je sais pas, l'Algérie, Vietnam? La guerre froide. Ok. En général. Donc il y a peut-être encore quelques acteurs qui sont vivants, effectivement, ça, parce qu'elle est assez récente. Ils savent pas qu'ils sont dans le bouquin. Bah, en tout cas, s'ils savent, voilà. J'espère que ça. On sera content qu'ils se mettent. Voilà, l'histoire que ça leur. J'espère que ça leur fera, que ça leur rendra justice, mais. Merci beaucoup en tout cas d'être venu parler de votre livre. On rappelle, Histoire de guerre, disponible dans toutes les bonnes librairies. Tu restes avec nous? Allez, avec plaisir. Allez, on est parti. On va partir directement sur les réseaux sociaux. Il s'est passé plein de choses. Let's go. Alors Xahi me dit non, il ne s'est rien passé. Bah, quand même. Oh, il a raison. Bon. Ouais, c'est la dèche là. Moi je suis tombé sur un mec qui a cassé l'API du McDo, par exemple. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment ça? En fait, il a fait du. Alors, j'utilise ses propres propos. Hein, il dit j'ai fait du reverse engineering. Oui. Et en gros, j'ai envoyé, en utilisant l'API interne de McDo qui leur sert à gérer les commandes. Eh bien, il a simulé en gros des demandes de McFlurry dans tous les McDo des États-Unis. Il en simule un par minute. Ça lui permet juste de savoir quel McDo a une machine à glace qui est cassée et quel McDo a une machine à glace qui fonctionne. Ça lui envoie une réponse de dire c'est pas possible ou c'est possible. Et du coup, il a mis en ligne une map qui est mise à jour en temps réel et qui dit aux gens de toutes les États-Unis votre McDo ne peut pas vous fournir de glace ou votre McDo peut vous fournir de glace. Mais c'est juste pour ça, putain. Mais... Voilà, carte interactive, ça marche. C'est incroyable. Le mec qui est juste le boss, bien joué à lui. Et du coup, il a testé, donc il est sorti de chez lui, il a essayé d'aller chercher des McDo où c'était indiqué que la machine à glace était cassée, parce que c'est connu, hein. On a tous été dans un McDo où tu demandes un sundae, on te dit ah, c'est pas possible. Et ben, il a testé et effectivement, ça marche. Ça marche. Chaque fois qu'il se pend dans un McDo où il y a le petit truc rouge, et ben, c'est mort, il ne peut pas avoir sa glace. Ça ne sert à rien et c'est pour ça que c'est indispensable. Les héros du quotidien. Ouais. Les petits héros du quotidien. Après, j'allais dire, on se demande pourquoi McDo ne l'a pas mis à disposition avant. En même temps, ce n'est pas une très bonne pub de dire regardez. 40% de nos machines à glace ne fonctionnent pas. C'est pas fou, mais voilà, sachez que ça existe. Si vous voulez retrouver cette map, parce que je sais pas, alors je crois que ça marche pas. Ça ne marche pas uniquement qu'aux États-Unis. Donc chez nous aussi, on pourrait. Uniquement aux États-Unis. Ça ne marche pas. J'arrive pas à avoir ma phrase. Ça marche ailleurs ou pas? Il me semble que ça marche ailleurs. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Quoi. Bref, putain, c'est compliqué le français aujourd'hui, c'est chaud. On va passer sur un sujet bien plus simple. Allez, on y va. La PlayStation 5 est arrivée. Pas chez tout le monde, mais en tout cas chez certains journalistes, elle est arrivée. Ici, voilà, Nibel qui se fait le relais de cette petite image où voilà, les journalistes vont commencer à pouvoir tester la bête. Et justement, on en reparlera après. Non. Bah non, vu que t'en parles, j'ai. Bah vas-y. Mais du coup, il y a aussi Geoff Keighley qui l'a reçu, qui est présentateur. Merci, Xavier. Il est présentateur des Game Awards notamment. Et il y a Logan qui travaille chez JVC qui tout à l'heure a dit il se pourrait qu'on la reçoive du coup bientôt. Donc. Non, Logan. Elle sera peut-être à quelques pas de nous ici même très bientôt. Donc, il y aura des billets, donc on n'aura pas le droit bien de l'avoir. Bien sûr. Et c'est ce qu'on dira. Vu qu'on en parle maintenant, autant en parler tout de suite aussi. Mais il y a
Est-ce que tu peux taper sur YouTube Austin Evans, Etienne, comme ça se prononce tout simplement, qui lui a apparemment reçu la DualSense. Donc c'est pas un footballeur ou un rappeur, donc c'est quand même un peu plus développé en termes de vidéo. En gros, le mec, il utilise la manette, mais sur d'autres devices. Enfin, pas la PlayStation 5, vous en doutez, parce qu'il pourra pas le montrer. Ah ouais. Mais il a notamment un moment dans la vidéo où il démonte la coque arrière de la manette et on voit un petit peu plus ce qu'il y a dedans. Ça a l'air quand même d'être très fourni. La batterie prend un sacré pan du device aussi. Et il utilise la manette sur PlayStation 4, je crois. J'ai pas regardé la vidéo en entière. Je suis tombé là-dessus juste au moment où il y a eu le générique. Et il teste aussi sur smartphone et ça fonctionne. Donc. Bien sûr, il n'y a pas le délire de retour haptique et tout, mais si vous voulez checker la vidéo, moi j'irai voir ça aussi ce soir quand j'aurai le temps, mais ça a l'air de fonctionner comme il faut. Voilà. On peut rappeler la date de sortie de la PS5 ? 19 novembre, ici, et 12 novembre ailleurs. Très bien. Ouais. Voilà. C'est 10 novembre pour la Xbox et un peu plus d'une semaine plus tard pour la PlayStation. On continue avec un sujet qu'on a rapidement abordé dans le JDH tout à l'heure, mais vous n'étiez peut-être pas là pour le voir. C'est le full self-driving de Tesla, qui est en bêta et disponible notamment dans certains endroits bien précis des États-Unis, par exemple en Californie ou ici. Eh bien, on a cet article qui revient dessus avec quelques vidéos. Tu peux tomber dessus juste en dessous où on voit justement le full self driving en action. Alors voilà, ici dans un modèle X. Vas-y, tu peux cliquer un petit peu plus loin peut-être dans la vidéo. Pour voir un petit peu comment ça fonctionne. On voit notamment l'écran du véhicule qui a un petit peu changé, où avant c'était un écran tout gris où tu voyais juste quelques lignes et tu voyais le véhicule. Voilà, film de nuit, ils abusent. Qui se dirigeait. Voilà, là on va le voir par exemple. Voilà, maintenant ça ressemble à ça. Il y a beaucoup plus d'informations en fait à l'écran et les mecs du coup ont testé de faire un trajet sans rien toucher du tout. Alors évidemment toujours les mains proches du volant au cas où. On rappelle que c'est une bêta donc il faut pas faire non plus n'importe quoi. Mais ils ont essayé de l'emmener dans des endroits un peu divers et variés. C'est-à-dire qu'on va aller sur des voies rapides, des voies où il y a 5, 6, 7 voies, tu vois. On va aller sur des endroits où carrément le marquage au sol est effacé. On va aller sur des parkings, on va aller en plein d'endroits comme ça. Et globalement, le seul endroit où c'est un peu compliqué, c'est les parkings. Parce qu'en fait, il y a trop de piétons qui marchent partout. Okay, ça n'a aucun sens. Mais en vrai, tant que tu restes sur la route, ils n'ont jamais eu à toucher le volant. Ça peur quand même, hein, parce que bon, t'installes une bêta sur ton iPhone, si ton iPhone crash, tu le redémarres, mais là par contre, si tu crashes, c'est autre chose. Ouais. Alors justement, ma vie est c'est exactement ce qu'ils disent dans la vidéo. Ils disent, c'est à la fois hyper impressionnant et génial, et à la fois, ils passent leur temps dans la voiture à être en mode, tu sais, genre à un moment, elle prend un virage un peu serré, il est en mode, wow, ouais. Ça marche, et après ils sont comme des oufs en mode « Oh Elon, t'es un ouf !» et tout. Ils tapent des barres forcément, mais ils savent très bien que comme c'est une rendez-nous premières... Rizzo. En fait, le mec est assez connu dans le monde de Tesla, on va dire, et comme c'est une des premières vidéos à sortir, à montrer comment ça marche... Bien joué, mec. Forcément, le mec va regarder, donc... Oh, mais Elon ils se permettent de faire quelques petits calls. Oh, mais Elon, merci. Mais oui, mais tu sais qu'il a tout fait tout seul, hein, le mec, il était dans sa chambre, il a tout codé, hein. C'est vraiment le boss, pas du tout. Bref, c'est assez impressionnant, et ça arrive plus vite qu'on ne le pensait. En tout cas, ça a l'air de bien fonctionner. On verra quand ça sortira pour plus de véhicules. Adieu d'ici Uber. La fin de l'année, normalement, pour la plupart des Tesla américaines. Par contre, en France, calmez-vous. Ah, c'est 15-20 ans. Législation fait que, même si vous l'avez, même si ça fonctionne, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Donc, ça ne sortira pas chez nous tout de suite. Du coup, les taxi drivers en sueur, parce que là, si... Un peu, ouais. Ouais, d'ici 5 Uber ans, tout, c'est bon. Ils vont se faire les sociétés comme Uber Wood vont se faire des flottes et des flottes de véhicules électriques qui conduisent toutes seules. Et puis salut. Après, attention, il faut quand même que la clientèle soit prête à prendre le risque. Oui, il faut faire aussi gaffe. Et il faut quand même un chauffeur. Un chauffeur, bien sûr. Pour le moment. Même si la voiture, elle se roule tout ça. Ah, pour le moment. C'est ça. Dans 5 ans, tu as des législations qui font que c'est tellement évolué que. Pour moi, que dans 20 ans, quand je prendrai mon Uber automatique et qu'il y aura un voyou qui aura volé un sac, je serai en mode OK, je. Watch Dogs le truc et je passe en mode manuel. Let's go. Tu monterais dans un véhicule sans conducteur, Zekaria? Oui, ça me fait peur. Alors moi j'avoue que je suis assez confiant sur ce genre de technologie parce que je me dis un ordinateur c'est fait pour faire des calculs et ça en fait beaucoup plus vite et beaucoup mieux que nous. C'est jamais fatigué. Ça n'a jamais bu d'alcool, enfin tu vois, ce genre de choses. Donc je pense que ça peut être, si c'est vraiment bien fait, ça peut sauver des vies. Mais j'avoue que
J'ai jamais été dans une voiture qui se pilote toute seule, tu vois. Je sais pas comment dans je réagirais. Dans une voiture en bêta, Zé. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est ça. Genre, tu sais, t'as le gros truc, ceci est une bêta. Ouais. Ça, tu rentres dans la voiture, tu dois signer un petit document avec des trucs écrits en tout petit que t'arrives pas à lire. Non, non, j'avoue que là, je sais pas si je monterais dedans. Mais c'est quand même une technologie de dingue. Enfin, de se dire que là, la voiture, elle est en autopilote, quoi. Comme. Ça marche. Comme un avion. Ça marche. Enfin, alors, comme là, les mecs s'extasient ouais. Parce qu'en fait, il y a un piéton, en fait, qui a traversé devant eux. Et la caisse a très bien réagi, donc ils sont en mode arrêté. Oh, et puis ça pose temps, si des. Ça n'avait pas été le cas. Ouais. Bah déçu, bah. Hein, du coup. Ouais. Pas mal de nuits. Bon, on va couper. Non, non, mais là sur YouTube, c'est effectivement, c'est, peut-être on peut monétiser. Il faut voir. Bref, voilà, ça arrive peut-être bientôt, pas chez nous, je sais pas, mais c'est assez impressionnant. En même temps, il avait promis que ça arrivait pour 2020, ça arrive pour 2020. Pour le coup, on peut pas lui reprocher ça. Hugo. Je commence avec un petit peu de peur. Enfin, si vous aimez Batman, il y a bien sûr le Joker qui est dans Batman. Et bah, il s'avère qu'on a un petit sosie maison, puisque c'est Roselyne Bachelot qui fait un peu peur aux gens qui regardent ça. 48 heures à Gotham City pour lui livrer Batman. Ah, si tu descends un petit peu, il y a des gens qui sont amusés à lui colorer le visage, lui grimer la face en mode de Joker, et ça passe plutôt bien. La ressemblance était exceptionnelle. Pas trop ce qui se passe, mais il faudrait dormir un petit peu, Roselyne, parce qu'en ce moment, c'est compliqué, mais c'est la période qu'il veut. Et j'enchaîne avec... Il y a eu un petit tease d'un nouveau perso dans Cyberpunk, plutôt stylé, un petit cosplay, voilà, Céline Dion qui s'amuse, là. C'est vraiment, elle se pavane, mais de ouf, tu vois. Ah oui, d'accord. Ça, c'est dans la rue. Hein. Ça m'a l'air naturel. Ouais, ça m'a l'air naturel. Toi qui vas faire tes courses, tu sais. C'est toujours comme ça. Ouais, il y a un milliard de photographes devant elle, donc elle tape la pose, quoi. Ah ouais, mais bon, quand même, là, elle a l'air assurée. Elle fait un défilé, quoi, dans la rue. Mais... Alors, j'ai envie de te dire, Japan Expo, c'est pareil. Hein. Quand t'as un costume, t'arrives, tac, tac, tac. Ouais, tu te pavanes C'est pareil. Ah ouais. Les gens avec leur appareil photo, tu viens, tu tapes trois poses et après tu dis merde, je ne peux plus aller chercher mon sandwich. Y a du à 15 monde, euros. En fait, t'en as un qui veut prendre une photo. Du coup, il y en a un qui voit qu'il y a une photo qui est prise. Exactement. Attends, moi aussi. Puis un autre. Et puis là, t'as vite une foule et t'es exact. En mode. Puis après, t'as un autre cosplayer qui arrive qui fait hé, mais on est dans le même manga. Hop, ils se mettent côte à côte comme ça. Alors là, t'es baisé. Là, c'est fini. Tu passes ton après-midi, tu te dis putain, quelle idée. Terrible. Et puis là, il y a Roselyne Bachelot qui arrive. Et elle bat tout le monde en 48 heures. Le cosplay. Ok, merci Hugo. Après, c'était pas très cyberpunk ce costume. Non mais j'avais pas de ref, ouais. J'avais envie de, okay. J'avais autre chose sur le projet, tu vois. Donc t'es le meilleur, il y a pas de souci. Sunday. Écoute, alors je veux profiter, tu as parlé un petit peu de Cyberpunk, je vais en parler également. En fait, Cyberpunk a organisé un concours cosplay. Ah oui, c'était l'an dernier, ouais. en été dernier. Et il y a les gagnants qui ont été annoncés il y a quelques jours. Et la semaine dernière, ouais. Pendant le Night City Wire à la toute fin. Ouais. C'est insane. Les costumes. Franchement, les costumes, ils sont stylés. Insane. On a un petit palmarès donc des trois gagnants. Voilà la première place. Personne qui a été sélectionnée à Paris. D'ailleurs, donc ah ouais c'est une femme, c'est une Allemande qui est venue. Donc tout le corps que vous voyez, elle a tout fait elle-même. Enfin, c'est un travail hallucinant. Là, la tenue, la peau est vraiment faite en métal. C'est un body métal. Oh c'est d'une femme en dessous. C'est un travail incroyable qu'ont fait les trois gagnants. Voilà, avec des prothèses de masse. Enfin, bref, taf. Mais tu les connais. Taf insane. Je les connais de nom, mais pas. Je connais la première personne de nom. Le reste, je les connaissais pas. Mais c'est des ils gens, j'ai regardé un peu leur travail. Concours. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Enfin, franchement, ouais, les boss chaud, du game, quoi. Ah, c'est dingue. Voilà, donc montrer un petit peu la flexibilité de sa tenue. Je rappelle, c'est du métal. Hein. C'est pas du tissu ou quoi que ce soit. C'est hallucinant. Ça, c'est incroyable. Enfin, l'odeur là-dedans, à la fin. Ah, ça doit sentir bon la fin de la journée, hein, effectivement. Ah, la vache. On sort de Cyberpunk, on va passer sur du jeu vidéo toujours. Pokémon. Sur Pokémon Épée et Bouclier, il y a un DLC qui est sorti aujourd'hui. Ouais. C'est le deuxième partie du DLC. Le premier qui s'appelait Isola Armure, le deuxième s'appelle Les Terres enneigées de la Couronne, toujours plus long. Et donc ce DLC rajoute un petit peu de contenu additionnel, nouvelle histoire, nouveaux Pokémon et nouveau mode de jeu difficulté qui a l'air d'être un peu une sorte de donjon qui permet d'attraper à la fin un légendaire. Apparemment, il y a quand même une sacrée difficulté et ça contentera probablement les gens qui étaient un petit peu déçus du premier DLC qui était vide en termes de contenu. Ouais. Voilà. J'avoue que j'ai pas joué à Pokémon depuis
Ouais, rouge bleu quoi. Ah ouais. Un sacré moment. Et moi à chaque fois j'achète le nouveau pour voir si j'y arrive à m'y mettre et je joue même pas une heure et ça me saoule en fait. Ouais, j'adhère décroches. Vraiment pas. Et après on va pas se forcer. Hein. Je vais pas me forcer mais bon. Oui. Si un jour c'est magnifique et qu'il y a un open world à la Zelda ou des trucs comme ça on se posera la question. Ouais, voilà mais pour l'instant pour moi c'est C'est un peu plus casu comme type de jeu, c'est sûr. Du coup, on va sortir des jeux vidéo, on va partir sur de la musique. Enfin, on sort des jeux vidéo, pas vraiment en fait, parce qu'on va le mêler à de la musique avec le teaser du prochain clip de KDA. On avait déjà parlé un petit peu de KDA ici. C'est de la K-pop, hein, ça va très bien. Ah, moi, je suis fan. Vas-y, tu peux envoyer. Petit teaser. On entend quelque chose ou c'est que de la vidéo? On entend quelque chose. Attends, c'est qui dans KDA? Je la reconnais même pas. Qui les meufs? Alors les meufs dans KDA, c'est des personnages de League of Legends. Oui, mais je la reconnais même pas. Oh bah il y a Akali, il y a Ari, ouais, il y a Kaisa. J'ai pas les autres. Kaisa ouais. J'ai reconnu parce que je l'ai un petit peu joué. Ouais, Yorick, ouais. Il y a Fresh. C'est ça. Ouais, ça serait stylé. Hein. Ils font la même chose, mais en groupe de, je sais pas, un boy band. Ils avaient fait un groupe de métal pour les. Ah ouais, ouais, ils avaient sorti un album. C'est ça. Et ouais, il y avait Sona, il y avait Cartus. Attends, il a sorti une vanne. C'est la version française. Attends, ça m'a été soufflé par Rizzo, donc. Ah, KD2A. J'assume pas tout non plus. Ah, KD2A, très bien. Rire et chanson. Du rire, du rire. Ah là là, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, on sait plus. Oui, il y avait le groupe Pentakill aussi qui avait été fait. Ouais, il avait métal. Bon, c'était quand même beaucoup moins exposé que KDA, où là, c'est un truc de fou. Hein. Bah, déjà, Pentakill, ils n'avaient pas fait le groupe. En fait, il y avait des skins en jeu, mais en vrai, quand tu allais sur la chaîne YouTube, c'était juste le logo qui bougeait avec la musique, c'est tout. Alors, la musique était cool, mais j'aurais bien voulu voir un groupe sur scène, quoi. Ah bah, j'avoue, je sais pas. En plus, je sais même pas qui jouait, mais il jouait plutôt pas mal en vrai. Non, franchement, c'était Mordekaiser, je crois. Cool. Oui, il y avait Mordekaiser. Il y avait Mordekaiser. Il n'y avait pas Ikarim. C'est ça. Il y avait Olaf, un truc Sona. Comme ça. Ouais, ils avaient quand même fait une paire de skins Cartus avec son micro. Ouais. Ah oui, c'est Cartus qui chantait. Mais oui, forcément. Ouais, c'était vraiment cool. Mais League of Legends, c'est un truc de fou. Un deuil à Iron Maiden. Hein, ouais, complètement. C'est un truc de dingue ce que font Riot avec les musiques. De toute façon, leur com en général, elle est incroyable. Okay, alors, c'est des boss. Hein. Ah bah. Enfin, ils ont quand même créé un groupe de musique virtuelle basé sur leur personnage qui va se produire du coup à la finale aux Worlds à Shanghai. Quoi. Mm. C'est assez insane de voir la dimension que ça prend. Ouais, puis les zics sont. Enfin, c'est quand même des zics de qualité. Quoi. C'est pas genre. Ils s'emmerdent un peu sur la prod. Ouais, non, mais clairement, je pense qu'ils n'ont pas embauché les pires pour écrire les musiques. Franchement. C'est solide. Et alors, du coup, je trouve que ça sonne sur le début, hein, ce petit teaser. Ça fait très Blackpink, hein. J'imagine que c'est pas au hasard, mais a priori, ça va ressembler un petit peu à cette sauce-là. On prend ce qui marche bien, et puis... Un autre groupe de K-pop, mais un vrai, cette fois-ci, d'accord, qui existe. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un documentaire sur Blackpink, sur Netflix, qui est sorti il y a moins d'une semaine. Ah ouais ? Je l'ai regardé, c'est pas le documentaire le plus impressionnant de la Terre, mais ça permet d'en apprendre plus sur les nanas en question individuellement. Et parce que souvent les groupes de K-pop ils sont présentés en tant que groupe, tu vois, c'est genre tu vois l'entité, t'entends les chansons, mais tu sais pas grand chose de leur vie à eux. Alors quand toi ça t'intéresse et que tu creuses, il y a un milliard de vidéos sur YouTube qui te permettent d'apprendre des trucs, mais voilà, là ça permet de les voir en enregistrement dans leur vie de tous les jours. Elles racontent leur formation qui a duré entre 4 et 6 ans pour certaines, et où c'est genre 12 heures de danse par jour, donc elles ont morflé un petit peu. Et la particularité du groupe, c'est qu'il n'y en a qu'une seule qui est coréenne, en fait. Les autres... Enfin, il y en a trois coréennes, sauf qu'elles ont grandi ailleurs qu'en Corée. Du coup, déjà, tu en as trois qui parlent parfaitement anglais. Les autres viennent de Corée. Parce qu'en général, les Coréens ne parlent pas super bien anglais. Okay. Les autres viennent de Corée, exactement. C'est ça. C'est Chirac qui les a formés. Il n'y a pas de souci. C'est la dauphine Miss Bar-le-Duc 2002, là, celle-là. Miss Lanty. Je la connais. On continue avec un tweet de Domingo qui fait de l'élevage. Ben oui, effectivement, je ne suis pas la seule à avoir des problèmes dans mon appartement. Domingo, on a quelques-uns. Petit problème. Oui, il y a Timo, non? Dans l'appart. Il y a Timo dans l'appart. Effectivement, donc, qui nous dit: quel régal l'infiltration d'eau dans mon plafond ce matin. J'ai découvert un champignon qui a poussé. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Quel enfer, le plafond va me tomber sur la gueule en plein stream avec une ravissante photo du champignon. Il est trop le truc, hein. C'est affreux. Moi, ça m'est arrivé dans un ancien appart. J'avais un mur qui était
complètement. On est arrivé, il était blanc. Quelques whites, quelques blancos. Et là, d'un coup, pam, il y a une maladie qui s'est mise au milieu et ça a propagé jusqu'à la fin et le truc s'est frité. Mais quelle horreur! Et le proprio, apparemment, quand il a repris l'appart, parce que je ne suis pas resté, je suis parti. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Il a galéré de ouf. Et pareil à Paris, il m'est arrivé exactement le même truc. Et il faut faire ultra gaffe au niveau de l'infiltration parce que. À l'eau, ça ne pardonne pas. Ouais, mais en plus de ça, tu aspires des trucs qui ne sont pas très cool pour tes poumons. Donc, et oui. Si ça se propage trop, c'est ultra galère à entretenir. Il faut tout juste tout refaire en fait. Ah après, bah ça devient The Last of Us. Exactement. Ça commence comme ça. Quoi. Aïe, la bouffée des mecs, c'est dégueulasse. T'as enlevé un tweet que t'avais mis parce que du coup j'ai voulu le mettre et j'ai vu que tu l'avais mis et du coup je l'ai pas mis. On en parle après. C'est Hugo qui va en parler plus tard dans sa chronique. De quoi déjà? Du débat concernant le streaming. Ah oui. Le stream. Ça va, je l'ai vu, j'étais en mode, on va quand même pas passer à côté de ça. Non, mais je pense que ce sera très adapté dans la chronique. Alors on en parlera tout à l'heure, c'est parti, on continue avec Étienne. Étienne a sa propre, à sa propre section dans les réseaux sociaux. Éclate-nous, mec. Alors attends, je vais juste vérifier que les gens t'entendent bien parce que moi je ne t'entends pas. Vas-y, c'est bon, tu peux parler. Ah oui, pour moi, j'avais pas. J'entends toujours pas. Là, est-ce que c'est bon? Là, yeah! Là, yes. On est bon. Donc oui, c'était pour remplacer Marie. Je me suis dit, tiens, je vais mettre quelques tweets. Donc, dont un du boss, Risotto Show. Aïe, Étienne, ça commence mal, hein. Aïe, ça commence mal. Il est fébrile. Là, c'est que je suis pas sûr que j'ai déjà pris un Ré chanson dans ma gueule. Bah, donc, je vais pas prendre deux. Je l'ai appelé T'as pas une clope. Il appelle ses tweets aussi, c'est comme un... Voilà. Putain de merde. Rire. Prochaine. Et du rire. Vas-y, tente encore. Attendez, c'est... What? C'est dans une story que je l'ai vu. Story, c'est... Ouais, c'est le compte de... C'est bon. Vas-y. Bah, le boss, quoi. Je vous laisse voir. Non. Ah si, l'aller-retour, ça va. Attends, mais ils volent en fait. C'est incroyable. Ah ouais, j'avoue que là, c'est facile. À lui, dans le métro, il n'y a pas de souci. Hein. Aucun souci, maîtrise. Et dernier essai. Et dernier, c'est hier soir, un but en Europa League. Non. Pas dégueu. Oh non. Et le coup du foulard. To get the ball well away from non. Oh, il est beau celui-là. FIFA 97, gros. But du milieu de terrain. Il en avait marre de courir. Putain. Oh, le seum pour le goal, quoi. C'était qui contre qui, Étienne? C'était Glasgow Rangers contre Anderlecht, non, Standard de Liège. Standard de Liège, je crois, ils vont confirmer le chat. J'ai juste posé la question pour t'emmerder, je pensais pas. J'ai vérifié mes sources. belle tentative ici. Bon, et franchement, 2 sur 3, pas mal. Franchement, t'as pas mal assuré, t'as pris qu'un seul rire et chanson, c'est ok. On continue avec Zai. Oui, on va parler de musique. Vous savez, hein, Jul et ses comparses, eh bien, ils sont passés disque d'or, hein, avec l'album 13 organisé. Voilà, disque d'or, et ils sont en préparation d'une pépite. Une pépite. Vous voyez, pendant d'organiser, c'est un petit son qui dure quoi, 5 minutes. Bon, Julie s'est dit, si on faisait genre une chanson de fou avec tous les mecs de 13 organisés qui durerait genre 30 minutes. Oh non. Ah. Oh la vache. Mais attends, mais c'est Julie qui l'a dit du coup. Ah, c'est une rumeur en tout cas qui va bon train. Question, la question du débile. Pourquoi 13? Parce qu'ils sont 13. Parce qu'ils sont 13 organisés. D'accord, il n'y a aucun rapport avec Marseille. Et le 13 aussi, c'est bah, ils sont beaucoup, sur la plaque. Ils sont bien organisés, hein, 13. Sur la plaque, quand tu vas à Marseille, c'est 13. Ok, non mais je pose des questions. Comme Étienne, on a vérifié. Aucun souci, mec. On continue avec le tweet suivant. Oui, c'est vrai, le tweet suivant qui est quand même, c'est quand même, je sais plus ce que c'est. Ah oui, si. j'avais pas cliqué. Oui, si, c'est le pour les fans de Formule 1 là, un petit peu. Hein, là, ce week-end, il y a le Grand Prix. Il vient du Portugal et les pilotes ont pour la plupart jamais roulé dessus, donc ça risque d'être. Comment ça
Bah parce que justement, il revient. C'est son premier Grand Prix. Mmh. En D'accord, gros, c'est, okay. il revient de voilà, depuis très longtemps. Et donc, du coup, le circuit est un petit peu nouveau. C'est pas un circuit que les pilotes font souvent. Et en plus, il va sûrement pleuvoir. Donc, ça risque d'être un. Mmh. Un Grand Prix mouvementé. Et le circuit, est-ce que tu sais s'il est disponible dans les simulations? Parce que c'est il s'entraîne beaucoup sur les simulations ah non, jeux mais vidéo. C'est pas genre ils vont pas le faire en one time. De toute façon, il y a les essais qui sont en ce moment et tout. Ils vont pas. Il y a aucun Grand Prix où ils sont en mode. Allez, premier tour, c'est maintenant. mais en vrai, ça pourrait être une épreuve. Dire, ouais, mais c'est très dangereux. Tu dois être le meilleur premier coup. C'est ça, c'est ultra dangereux quoi. Ouais. C'est en vrai, c'est. Est-ce que ça m'intéresse? Bah, un peu quoi. Je pense que les écuries, ça les intéresse. Je dis n'importe quoi, entre un circuit où t'as fait 1000 tours et un circuit où t'as fait 50. Ouais, c'est pas la même si voilà, c'est quand même une grosse différence. Donc voilà. Allez, si vous pouvez aller checker, demain il y a les qualifs et dimanche le Grand Prix comme d'hab. Voilà, peut-être que Hamilton va réussir à dépasser cette fois-ci Michael Schumacher, puisqu'on le rappelle. Hugo te transperce du regard, gros. Bah moi, quand quelqu'un en parle, je le regarde dans les yeux, en fait. Ouais, bien joué, mec. Est-ce que tu connais Ninja? Bien sûr. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Tu connais quel Ninja? Le streamer ou le Ninja streamer. Ou Naruto? Bah non, Naruto, t'as vu hier, c'est pas ma spéciale. Alors, je sais maintenant qu'il porte des sandales, mais c'est tout ce que j'ai sur lui. C'est vrai. Non, Ninja qui. Qui a aidé un camarade, un confrère dans le besoin, un joueur d'Overwatch, de Valorant, tu peux remonter le tweet. Ah, The Rage Jonas. Qui a dit, je me suis fait scammed par un mec qui m'a fait 5 400 $ de dons. Et il a demandé à se faire rembourser, il s'est fait rembourser, j'ai dû payer 400 balles de frais remboursement, machin. Donc je me suis fait bolo, c'est ce que je peux avoir un peu de visibilité. Et il y a Ninja qui a dit, c'est fait. Mais en fait, c'est fait. Il a fait un don. Il a juste donné 5 800 $. Oh, quel beau. Ah ouais. Fixed. Oh, le beau geste. Mais bon, gros, c'est terminé. Ça. Average Jonas, c'est le Skyheart du continent américain. Ah ouais, c'est celui qui fait les flèches de partout. Ouais, c'est le Sova de là-bas. Ok. Mais c'est beau geste de la part de Ninja. Bon, en même temps, lui. Après, voilà, c'est. Bah non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même stylé, quoi. Ouais, c'est pas parce qu'il a les moyens qu'il se doit de le faire, donc. Non, clairement, beau geste. Cool. Non, mais. Bon, juste... après, il va recevoir 50 000 demandes de mecs qui vont dire ah, moi aussi, j'ai eu un claim PayPal. Non, parce que là, il l'a pas demandé, donc c'est pas exactement pareil. Ouais. Genre, après, je pense qu'il va quand même avoir peut-être une histoire avec PayPal et tout, parce que normalement, enfin, je sais pas, mais normalement, les dons sont plus remboursables, enfin. Sont plus annulables. Ouais. Donc voilà, je sais pas exactement comment ça marche, je sais pas s'il y a eu un truc spécial ou je ne sais pas, mais en tout cas, on va dire que s'il avait des soucis parce qu'il avait acheté un truc avec cet argent qu'il doit rembourser, au moins il est safe. Quel est le rapport peut-être qu'on peut faire entre Deliveroo et Max Hilden par exemple? Max Marie Palo ou Hugo Délire. Ah, des gens qui ne cuisinent pas et qui aiment se faire livrer. Ah non. Non, ça peut être. Ça... Ah oui. Mais pourtant, tu fais livrer tout le temps. Bah ouais. Je sais cuisiner. Qu'est-ce que. Toi, Max, Hugo Délire, Squeezie, ne pas payer Marie Palo, quel est un peu votre point commun? On est influenceur. Vous êtes influenceur. Ok. Vous êtes influenceur sur la toile. Et Deliveroo, ils se sont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, je sais pas, les influenceurs, on leur offre leur pas, comme ça ils en parlent et ça me fait de la pub. Code promo, code créateur, pas exactement, ils ont tout simplement lancé une appli qui s'appelle Ça Recommande. Ça Recommande, déjà le pire nom est FR, mais bon, après Oula. Ça, c'est pas à moi de juger. Et bien en gros, c'est une appli où en gros les influenceurs... peuvent faire des stories depuis les lieux qu'ils ont visités ou sur lesquels ils ont commandé. Mais ça n'a rien à voir avec la bouffe. Si. Tu parles que des choses que tu as commandées. Que tu commandes sur des livres. Mais Deliveroo, le principe, c'est de te faire livrer. Oui. Ouais, mais tu peux peut-être prendre la photo de ton plat, dire « Ah, bah voilà, il y a ce resto dans le 10e qui livre ça, c'est cool ». Bah là, c'est plus pour dire, les gars, j'ai commandé chez Hot Dog Paris, 9,80 € pour une saucisse dans un bout de pain, c'est insane. Attends, ce que je comprends pas, c'est que c'est une appli basée là-dessus. Pourquoi ils ne m'intègrent pas ça à des Alors, je crois que c'est intégré, mais c'est un truc à côté, c'est un peu comme, c'est comme sur Instagram, t'as les Reels, ou ah oui, c'est un truc à part. Ah mais oui. C'est Hugo Délice. C'est quoi cette gueule, quoi? C'était cet été, c'était le Hugo Délice annuel. Ah, j'ai pas regardé, gros. Ah bah normal. T'as une gueule incroyable. Ah, c'est la rançon de ma gloire, on a raté mon jeu de mots, putain, ça dégoûte.
Non, mais voilà, donc avoir emmené. En vrai, c'est pas une si mauvaise idée. J'ai quand même un peu peur que. Les gens, on est un peu marre que de se dire bon, je dois faire tout ce que machin me dit, c'est un peu chiant, mais bon après. Ouais, au-delà de ça, c'est surtout qu'il y a d'autres services qui permettent déjà de le faire, mais qui ne sont pas spécifiques à Deliveroo. Alors je crois que c'est Mapster, où en gros justement tu peux indiquer tous les endroits que tu recommandes, mais ça peut être un musée, un restaurant, une rue. Après là, c'est, normalement, c'est, si j'ai bien, enfin en tout cas c'est pas encore on et tout, mais normalement ça sera directement dans Deliveroo, c'est plus. Bon, ça nous est tous arrivé, en tout cas ceux qui commandent régulièrement ou ceux qui ont déjà commandé un peu, de tu swipes, tu sais pas ce que tu vas prendre, tu vois. Et t'es un peu en mode, bon, je sais pas, j'ai le choix entre burger, pizza ou sushi, bon, j'en ai un peu marre, quoi. Et là, tu swipes à droite, t'as Hugo Delis qui est en mode, t'as pour nous sur la bedaine. Et voilà, et il fait un petit truc sur, je sais pas, un bœuf bourguignon. J'ai du mal à comprendre nos recommandations sur du jeu vidéo, sur du matériel hardware ou quoi, je peux comprendre parce que c'est quelque chose qu'on connaît vraiment. Qu'on suive nos recommandations sur la bouffe. Non, mais après, là, je te dis, toi, ça se trouve, ce sera des mecs qui s'y connaissent. Mais tu vois, GastronoGeek, ok, légitime, tu vois. Après, non, mais Hugo, c'est après, influenceur. Si je dis, je suis sûr que si je dis, les gars, venez dans ce restaurant-là, à Levallois, parce que c'est trop bon et tout, il y a des mecs qui vont y aller. Des mecs qui disent, ah, ça va peut-être être bon. C'est des gens, c'est des restos qui payent les influenceurs pour faire des stories. Pour l'instant, c'est juste un projet. C'est pas, enfin, c'est genre. Oui, dans l'idée. C'est-à-dire que pour poster une story, seulement les gens qui sont payés par les restos pour faire produire ça. Non, il faut que ce soit libre. Bah d'accord. Bah alors dans ce cas-là, pourquoi juste pas se fier aux notes sur Uber Eats, quoi ? Parce que les notes, c'est en fait une vidéo vaut mieux qu'une note, quoi. Moi, je préfère regarder de loin les avis et combiner ça avec Google. Mais tu es influenceur. Oui, mais enfin. Enfin, je regarderais Hugo Délire dire « Ah, oh, le kebab, trop bon !» Mais je m'en foutrais. En fait. J'ai checké sur Google et je combinerais le... T'as une confiance, tu sais. En vrai, moi, je préfère qu'un mec que je connais un peu, même si c'est un influenceur, je préfère qu'un ou deux mecs me recommandent un truc à l'oral et me disent « Voilà, machin », plutôt que de voir une note de 4,3 sur Uber Eats. Tout le monde a entre 4 et 4,5. Oui. Bon. Vas-y. Parce qu'il t'a coupé la parole, c'est pour ça que je te l'ai en fait. Ah non, je rebondissais, j'ai même oublié ce que je disais. Bon, bah alors ça va, c'est ok. Désolé. Non, mais en vrai, pourquoi pas ? Après, c'est pas non plus. Après, moi, j'ai tellement de soucis au niveau du ventre que s'il y a un resto qui est bon, là, je peux peut-être recommande. Ouais. Mais c'est vrai qu'en vrai, ça pourrait être la recommandation d'Hugo Délis. Voilà. Zekaria, est-ce que tu as une recommandation d'un super resto à Paris ? Enfin, un super resto à Paris. Ou pas à Paris d'ailleurs, hein, où tu veux. Pas à Paris, moi non, j'en ai un, mais j'ai plus le nom. J'y suis allé la dernière fois, c'était super. C'était une sorte de japonais un peu fusion, pas très loin de Notre-Dame. On passait dans le coin et franchement, on s'est pété le bide. Donc, si vous le retrouvez, allez-y. Franchement, c'est cool. Mais voilà, sinon, j'avoue qu'en ce moment. La boussole à La Rochelle, hein, on s'est régalé. 19,50€, entrée plat dessert. La boussole ? La boussole, ouais. Et c'est quoi ? Bah, c'est un restaurant. Bah d'accord, qu'est-ce qu'il propose ? Bah des spécialités de La Rochelle. Bah tu seras pas sur l'appli gros, quand tu parles du truc. Hey gros, je leur fais de la pub à la boussole. Ouais, enfin Gigi il a mieux parlé la dernière fois de son kebab pourri là. Comment qu'est-ce que tu veux que je dise c'était il y a 6 mois. En même temps Gigi il vend de la glace aux Esquimaux, donc il y a un moment donné. C'était il y a 6 mois, on a mangé, il y a un petit magret de canard qui régale. Oh, ça c'est bon. Il y a de l'espadon, on a mangé. Ça a l'air pas dégueu, effectivement. En fait ce qui est bien c'est que les entrées ressemblent à des plats. En fait, les entrées ressemblent à des plats de chef et chef. Ah oui, on n'est pas sur le kebab du quartier, c'est-à-dire là, clairement. Ah, mais attends, c'est 20 balles. C'est 20, c'est. Entrée, plat, dessert. L'entrée, tu peux prendre en entrée un tartare de saumon, et c'est une entrée. Et après, t'es comme ça. Allez à la boussole, vous en perdrez le nord. Exactement. Wow. Pas mal. Wow. Ça, c'est gratuit, les mecs. C'est Hugo, bon. Recommandation culinaire. Le Royal Deluxe est de retour en ce moment. Non, pas trop, non. Ce soir, je teste un resto, enfin via livraison bien sûr, de burger coréen. J'avais envie de tester. C'est Norman qui m'avait conseillé ça. C'est quoi les burgers coréens ? C'est des burgers avec fusion coréenne. c'est du poulet pané avec de la sauce coréenne. J'en sais rien, gros. Okay, je dirais ça ce soir. Mais il y a aucun. Il y a marqué burger coréen, donc. Mais c'est donc c'est coréen. Je suis. On a envie de voyager. Je vous recommande le Pantagruel à Charbourg. Okay. Moi, je vous recommande le chalet du steak à Chenôve.
Alors, on en a 50 à recommander comme ça. Sunday, ouais. Sandra, vas-y. C'est après, j'en ai même deux. J'en ai deux à Paris. Alors le Fujita meilleur japonais de Paris. Et C'est toi qui l'as décidé c'est écrit. C'est un fait. C'est d'accord. Le meilleur japonais de Paris, vraiment. Donc si vous voulez vraiment des sushis extrêmement bons, enfin faits par des maîtres. Sushi sous vos yeux, etc. C'est une tuerie. Et deuxième, que j'ai découvert ce midi, Mama Primi, qui est un Italien, pareil, tenu par des Italiens. Enfin, tenu. Il n'y a que des serveurs italiens, il n'y a que des cuistots italiens. C'est un délice, ces petites pâtes à la truffe. Ça régale. Bon, ben voilà, vous avez plein d'adresses. Vous savez où aller bouffer désormais. On n'a pas besoin d'une application, là. C'est bon. Bon, alors, dernière petite devinette, si je vous dis 249. Qu'est-ce que euros. Ça peut être? Non. Wow. Kilo ? Non. Litre ? Non. Tonne ? Non. Kilomètre ? Ah, c'est une unité de distance. Mètre par seconde. Attends, même une idée de distance, il a fait ça. Kilomètre par heure. Kilomètre heure. Ah, c'est une vitesse. 250 km heure. 249 km heure pour être très précis. C'est la vitesse à laquelle a été flashée une star du PAF. Pas vraiment flashé, mais c'est pas une star. Vitesse record d'une trottinette électrique. T'as déjà été à 200 km/h. Non, mais je tente. J'ai déjà à 50 km/h sur une trottinette. Non, non, non. Déjà, une bagnole, elle commence à trembler, alors la trottinette, laisse tomber. Elle se désintègre. Non, c'est ça. C'est un mec qui s'est fait arrêter à 249 km/h. Net. Pourquoi ? Il était à 249, il s'est arrêté. Net. Ouf. Pourquoi ? Comment ? Qu'est pas ça ? Il était en sens inverse. Ah oh bah il cumule là, non. C'est jamais, tu vois, il peut se dire allez j'y vais, mais j'y vais vite. Oui, j'allais dire pourquoi, même parce qu'il était à 249. Non, non, c'était un random, un aléatoire complet. Il était en délit de fuite ? Non, pas vraiment. Il a bloqué. Au contraire. On a les images. Il a bloqué son accélérateur ? Non. Exprès ? Il avait une bonne excuse. Enfin, sa femme était en train d'accoucher. Selon lui, il a une bonne excuse. Non. Il était en train d'accoucher. Pas non. Sûr d'avoir fermé le gaz. Non, c'est. Bah, quand même. Ça peut être une bonne raison. Hein. Il a enfreint la loi pour respecter la loi. Bah, il allait mourir. Selon lui. Il allait mourir. Non. Bah, c'est la loi de mourir. Hein. Pour rentrer chez lui à l'heure pour le couvre-feu. C'est ça. Ah, bien joué. Bien Bravo, joué. En gros, il a dit. Sinon, je serais pas. Il chez a dit moi, frère, il faut que je rentre à 21h, donc je roule à 250 en fait. Il voilà. y a quand même un moment où le mec il est parti de son truc, il s'est dit bon, si je roule à 250, je peux partir à 20h54, ça passe. Attends, mais 250, c'est-à-dire que le mec il roule pas en Clio quand même. Hein. Est-ce qu'il y a le modèle de la bagnole parce que. Oh, sur la 20 en plus. Ouais, non, il y a déjà pas. Déjà en Tesla, je crois que c'est 225. Il y a pas de modèle, mais ils ont juste marqué. Il roulait quand même à... Oh, Argenton sur Creuse. Mais ça s'est passé à côté de chez moi. Bah, let's go. Bah, ça change toute la news. Mais il se passe jamais rien, gros. Donc c'est insane. Il roulait quand même à près de 100 km/h au-dessus des limites de vitesse. Bah oui, même 120 km/h au-dessus. Retrait de permis. Il a doublé la vitesse. Retrait de permis, évidemment. Il était désireux de respecter le couvre-feu en vigueur. Justification qui n'a pas ému les gendarmes qui m'ont retiré le permis aïe. De conduire. Voilà. Oh, ah bah, c'est horrible quand ça se trouve, il était juste en train de test et il s'est fait choper. Quand même. Teste quoi, gros ? Tu testes pas à 250 ou tu vas en Allemagne, frère. Ah, j'avoue, c'est chaud, okay, 250. Max, le chauffard fou. J'ai hâte d'une OP code de la route présentée par Max. Ouais, non, bon, je suis trop chaud, je vais être le moniteur. Mais jamais, ça se fera. Bon, c'est limité à 50. Tu roules à 50. Le truc que ne te disent jamais les moniteurs, évidemment. Vas-y, Hugo, tu peux y aller. Jeu vidéo. Jingle. J'avais pas vu sur le début de ton jingle, il y a le truc de Death Stranding. C'est trop bien. L'Odradek, peut le revoir peut-être ? Non, ça ira. Oh, dommage. Je préférais l'ancien, ça me dégoûte un peu de le revoir. Je suis désolé. Ah ouais ? Ouais, celui-là m'émeut pas autant que l'autre. Je sais pas, il y avait. Avec le sourire et tout ? Bah ouais, c'était la première, tu sais. La maintenant, bon, c'est un petit peu mal, ouais, mon quotidien, donc ça dégoûte. Chier. On va parler un peu de jeux vidéo, mesdames et messieurs. On va parler de Immortals Phoenix Rising, qui était connu dans l'ancien temps par. Demons, Gods and Monsters, voilà, c'était ça. J'ai testé du coup la démo qui est disponible depuis aujourd'hui, si je ne m'abuse, sur Stadia. Alors je vous rappelle que si vous voulez tester, c'est totalement gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un abonnement Stadia Pro ou quoi qu'est-ce.
Il faut juste avoir un compte Google. Donc je pense que la quasi-totalité des gens qui nous regardent ont un compte Gmail. Vous avez juste à vous connecter et vous avez accès directement à la démo. Pour info, ça a duré environ... Bon, je l'ai faite sans trop rusher, hein, j'ai quand même exploré un petit peu et tout. Ça a duré un petit peu moins d'une heure. Ah, c'est vraiment une petite démo, quoi. Et point fort, parce que je pensais qu'on allait avoir droit, enfin point fort. Dans l'idée, je pensais qu'on allait avoir accès qu'à la VO sous-titrée, mais non, on l'a bien en français, le jeu, en tout cas dans sa démo. Je vous rappelle qu'il y a Léo Dagan, donc Lionel Astier, qui double un des personnages du jeu, un des narrateurs du jeu. Eh bien, je vous avoue que j'ai été ultra déçu par le doublage. Ah ouais? T'as une question? Oui. Moi, de ce que j'ai vu des retours sur ça, pour l'instant, c'est que c'était vraiment un sentiment de copie de Breath of the Wild. Est-ce que tu as ressenti ça? Alors, je dirais pas ça. Je dirais que c'est plus une adaptation d'un Assassin's Creed pour les plus jeunes. C'est-à-dire que moi, j'aurais eu ça à 12 ans et je pouvais pas jouer à... Si mes parents m'interdisaient de jouer à Assassin's Creed, c'est clairement la version qui est ultra accessible pour tout le monde. Et tu peux t'amuser sans avoir à trucider des mecs littéralement en voyant des gerbes de sang de partout. Donc je dirais plus ça. Mais c'est vrai que ça partage énormément de petits trucs avec Breath of the Wild, ne serait-ce que les énigmes. Les shrines qu'on a dans Zelda, c'est quasiment la même chose, on va pas se mentir. Même des fois, on doit tirer des flèches dans le jeu avec Phoenix qu'on incarne, hein, pour que ça atteigne des espèces de petites... je dirais des flèches aussi. Bah, c'est des flèches. En fait, on tire des flèches pour atteindre des flèches qui ouvrent des portails et on a l'impression de revoir carrément le design de certains shrines de Breath of the Wild. Oui. Donc ouais, il y a clairement des choses qui sont empruntées, c'est sûr et certain. Regarde, quand tu regardes l'inventaire, ça fait clairement penser à du Assassin's Creed. Mais je vais reparler un petit peu du... Oh, il n'y a pas eu le OO jeu vidéo ? Ah, le chat pleure. Hein. Oui. C'est de ma faute. C'est... Ouais, t'as posé une question. J'ai posé une question. OO jeu vidéo. J'ai testé Immortals Phoenix Rising, mesdames et messieurs, on va en parler un petit peu. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure au niveau du doublage, oui, je suis ultra déçu du doublage parce que, alors j'ai rien du tout contre Lionel Astier de base, hein, aucunement, mais je trouve que le jeu est ultra... C'était un fils de pute tout à l'heure. Ça n'engage que toi, Mac. Non, mais tu dis des choses, mais ah, ça me débecte. Mais non, le mec, je l'aime beaucoup, mais ce qu'il y a, c'est que le jeu est ultra plat. C'est-à-dire que je vous refais une scène du jeu, à un moment, on arrive et on se combat contre un semi-boss où on voit une espèce d'énorme bestiole en face de nous, et là, t'as le doubleur, donc Lionel Astier, qui dit « Ah bah non, en fait, c'est un minotaure. » Et là, t'as un minotaure qui apparaît, et ensuite « Non, c'est un lion. » En fait, non, ce sont des poules. Sans déconner, c'est vraiment ça le doublage, quoi. Je me suis dit, mais alors, le directeur artistique, comment il a dit bah, motive-toi, essaye de donner un petit peu de jeu, de vie à ton truc. Franchement, je suis ultra déçu du doublage, en tout cas pour l'instant, c'est qu'une démo, ça ne reflète pas l'expérience complète du jeu. Mais chose qui semblait être un des plus gros points forts du jeu, pour moi, ça retombe un petit peu, ça fait retomber un peu le flanc. Sinon, en point fort, clairement, le gameplay est très très bon, ça bouge de partout. Le délire d'endurance que vous voyez vous permet de lancer des attaques spéciales que vous avez vues avec les lances qui sortent du sol. On a une seconde arme où en fait on déclenche un coup spécial où ça met un énorme coup de marteau au sol et ça fait un gros impact au sol. Vous avez des petites potions bleues en bas à gauche, qui vous permettent de remonter votre endurance. C'est-à-dire que comparé à c'est différent de Zelda, ça par exemple, lorsque vous montez une montagne par exemple, dans Zelda vous étiez contraint de lâcher la prise dès que vous n'avez plus d'endurance. Et ben là par exemple, vous avez juste à appuyer sur la flèche de droite et ça vous remonte votre endurance, donc vous pouvez continuer à grimper. Donc il y a des choses qui sont un petit peu moins contraignantes, la possibilité de craft des potions, toujours d'améliorer ses armes, il y a plein de pièces d'équipement aussi dans le jeu. C'est pas très compliqué, j'ai joué en normal, j'ai vu qu'il y avait deux autres niveaux de difficulté, mais il y en a un qui était bloqué. Je crois que le plus haut niveau de difficulté que vous pouvez tester dans la démo, c'est le difficile. Il y aura certainement un cauchemar ensuite, mais je vous conseille, si vous êtes déjà bon joueur, de mettre directement le difficile. C'est très joli, ceci dit. L'ambiance est bien réussie aussi. Mais encore une fois, je redis ce que j'avais dit dans un récap quand on avait vu des pseudo-images d'un leak qui sortait, je crois que c'était un petit peu après l'E3. Ça fait très jeu mobile, en fait. On a l'impression de jouer à un jeu mobile, mais qui est bien produit, si tu veux. C'est le Genshin Impact d'Ubisoft. Ouais, sans être un gacha, quoi. Mais je sais pas si vous connaissez Oceanhorn, qui est un jeu qui ressemble beaucoup à Zelda et qui est dispo sur mobile et sur Switch aussi dernièrement. Ça fait vraiment penser à une DA assez générique, prête à tout, ouvert à tous. Et du coup, je suis un petit peu déçu de ça parce que ça tente rien, ça n'ose rien.
mais ça marche bien. Donc, à voir ce que ça donnera. Je sais que Aubin en a parlé ce matin dans le journal. Tu as envie de le faire quand il va sortir le jeu? Tu oui, oui, moi je suis curieux de tester parce que j'ai apprécié y jouer, mine de rien. D'accord. C'est juste que je pense que c'est le jeu fast-food, c'est-à-dire que je vais le lancer, je vais y jouer sans m'en rendre compte en fait. Je ne vais pas être full immergé dans le truc. Un bon jeu sans surprise. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Après, ça n'engage que moi, bien sûr. C'est... Si vous aimez. Non, Hugo, tu es influenceur. Ouais, bien sûr, mais je pense être assez objectif quand je dis ça de toute façon. Si vous voulez un petit peu plus d'infos, il y a Aubin qui, de JVC qui a beaucoup plus joué que moi. Je crois pendant une douzaine d'heures et qu'on a parlé ce matin dans le journal, il y a sa preview qui a été postée sur le site. Et puis bien sûr, il y en a d'autres youtubeurs que vous appréciez qui auront fait le taf à ce niveau-là. Mais je rappelle, c'est gratuit si vous voulez tester. Alors après, j'ai eu l'impression que c'était capé à 30 fps sur Stadia. Mais j'avais pas de lag input. Par contre, le fait de pouvoir tester et tout avec Stadia, c'est un, je trouve que c'est bien. En vrai, c'est bien. Dans le sens où t'es sur ton PC, tu vas juste sur ton navigateur et tout, tu testes. C'est pas mal. T'as même pas à l'installer. Ouais, c'est ça. C'est ça. En 5 secondes, hein, c'était lancé. Et ça marchait, Stadia, entre guillemets ? Ouais, c'était pas très beau au niveau de la qualité. Par contre, il y avait des fragments, ça pixelisait un peu. Surtout quand tu passes d'un menu de pause à directement du gameplay, ça fait plein de fragments de partout. Mais sinon, ouais, c'était capé à 30, mais ça allait, quoi. Et par contre, ce qui était bien, c'est que j'avais vraiment... Input lag. Je sentais pas le lag input, et moi, je suis horrible avec ça, donc ça m'a pas gêné du tout quand j'ai joué. C'est un bon point. Putain, t'es en train de nous dire que ça marche ? Bah ouais, bah s'ils mettaient 60 fps et peut-être un peu plus de débit, ce serait mieux, mais en tout cas, c'était pas mal. Là. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. On continue avec Kojima. On continue avec Kojima. Bon, ce n'était pas vraiment un secret puisqu'on s'en doutait, mais c'est officialisé, entre guillemets, puisqu'il a posté sur le compte Kojima Productions un petit tweet qui dit qu'il recherche... Alors attends, il recherche des best-in-class talent, donc... C'est pas vous venez de démarrer, vous sortez de votre école de 3D, on veut vous engager. Non, non, là c'est vraiment en mode, va falloir avoir un joli book les mecs. Et il y a plusieurs postes qui sont à donner, je crois que j'ai le détail, oui, sur le LinkedIn. Il y en a énormément, mais si vous êtes programmeur, game programmeur, tools programmeur, sound designer, artiste, environnement artiste, character artiste, weapons mechanical artiste, game design, game designer, level designer, project manager, etc. etc. Bref. Allez sur le LinkedIn, si vous êtes un mec qui a du bagou, j'ai envie de dire, ça peut peut-être vous intéresser. Bien sûr, il faudra déménager au Japon. Donc il faut être parmi les meilleurs du monde, et si vous avez envie d'aller vivre au Japon, c'est le moment, quoi. Voilà, exactement ça. Mais ça après, confirme... il faut avoir des références, parce que putain, si t'as pas bossé sur Assassin's Creed et Cyberpunk, à mon avis, Kojima, il te regarde comme ça. Hein. Quand il dit best in class talent, à mon avis, c'est bon. Oui, c'est je pense que vous serez... Voilà. Angry Birds. Vous êtes assuré de travailler quelques années encore. Oui, Angry Birds... Peut-être sur Phoenix Rising, mais pas là-dessus. On va parler d'autre chose, mais c'est ce dont vous voulez parler tout à l'heure. Sunday, c'est ce qui a fait un petit peu la polémique hier soir. Si je vous dis Alex Hutchinson, ça vous dit quelque chose ou pas du tout ? Non ? Mais du coup, je réponds pas pour pas spoiler. Tu disais, Zach ? Comme ça, non ? Ça me dirait. Bah, c'est normal, hein, c'est le mec qui est derrière Stadia, c'est le créatif directeur de Stadia. Le c'est en normal, bien fait trop mal. Tonneur. Il a tweeté ça hier. Voilà, les streamers sont assez inquiets de voir leur contenu retiré de certaines plateformes parce qu'ils ont joué, parce qu'ils n'ont pas payé d'afficher ces choses-là en d'autres termes. Merci, il y a la traduction, ça va plus vite. Qu'ils diffusent également des jeux pour lesquels ils n'ont pas payé. Tout est parti dès que les éditeurs décident de l'appliquer. Alors ça veut absolument rien dire. En gros, il se plaint juste que les streamers streament des choses qui ne leur appartiennent pas du tout. En gros, il dit les streamers s'inquiètent de la musique qu'ils diffusent sans payer. Il ferait mieux de s'inquiéter des jeux vidéo qu'ils diffusent sans payer, alors que la normalité, ce serait de devoir payer une licence pour avoir le droit. C'est son deuxième tweet. La vérité est que les streamers devraient payer les développeurs et les éditeurs des jeux qu'ils diffusent. Ouais. Ils devraient acheter une licence comme toute vraie entreprise et payer pour leur contenu qu'ils utilisent. Alors ça fait réagir plein de créateurs parce que ça vient quand même du mec qui est derrière Stadia, enfin qui gère Stadia. Qui est sur la philosophie de... Bah carrément, on a Dr Disrespect qui a tweeté Creative Director for Google Stadia en mode qu'est-ce que tu fous là. Il y a surtout un autre tweet que j'ai retenu parce que c'est assez marrant, c'est assez ironique. Tu peux l'afficher, c'est le deuxième. Dan, qui est certainement créateur de contenu, qui répond au tweet juste en dessous de Alex, qui dit que c'est assez horrible de penser comme ça, parce que c'est vrai que l'exposition que donnent les streamers en général, ne serait-ce que par exemple avec Among Us récemment, qui est l'un des meilleurs exemples là-dessus, ou même Fall Guys il y a quelques temps, c'est du donnant-donnant, j'ai envie de dire, pour le streamer et pour les gens qui sont derrière le jeu. Et surtout, ce qui termine le tout, c'est qu'à la fin, il dit « Tu es aussi créatif directeur chez Stadia, et Stadia m'a littéralement payé, moi-même et d'autres influenceurs, pour faire la promotion de votre produit. »
Donc bon, c'est un petit peu, ça crache directement dans la soupe. Et il y a d'autres tweets d'Alex qui ont été repris comme ça. Et en plus, qui ciblaient déjà un peu les influenceurs. C'est assez malvenu ce qu'il dit là, parce que sur certains jeux, alors je vais pas dire sur tous les jeux, parce que je t'avoue, j'ai pas lu les conditions d'utilisation de tous les jeux. Mais je sais que sur certains jeux, notamment sur ceux de Riot, il est spécifié qu'on peut l'utiliser comme on veut. Le jeu, les musiques, tout. Ils s'en battent les couilles, ils sont en mode. Allez-y, ils ont compris que ça leur faisait une maxi pub sans dépenser d'argent. Et ça doit être spécifié sur énormément de jeux, tu vois. Donc j'imagine. Bizarre qu'il. Il y avait le souci, ce même souci avec Nintendo il y a des années. Exactement. Hein. Ouais. Il y avait des créateurs de contenu qui étaient only Nintendo et qui n'ont jamais pu vivre de leur truc parce que justement Nintendo. Cela dit, flaguait le contenu directement. En prenant du coup le débat dans ce sens-là, on pourrait se dire, alors du coup, on trouve ça absolument anormal ce qu'il dit. Pourtant, ça ne nous choque pas cette idée de dire que les créateurs de musique devraient être payés quand on diffuse de la musique. Tous les streamers seraient d'accord pour reverser une partie de leurs revenus aux ayants droit des musiques qu'ils diffusent. Mmh. Le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on est obligé de tout leur reverser. C'est un peu chiant. Mmh. Mais on serait d'accord pour reverser une partie de nos revenus. Je pense que sur ça, personne ne rechigne. Donc du coup, pourquoi on ne serait pas d'accord pour reverser une partie de nos revenus aux développeurs dont on utilise les jeux aussi pour occuper le temps d'antenne ? Quelque part, ça me choque pas tant que ça. Si tu le reprends dans l'autre sens, du coup, on pourrait aussi dire aux ayants droit des musiques, bah les gars, on vous fait de la pub, pourquoi est-ce qu'on devrait vous payer ? Ça marche aussi dans ce sens-là. Finalement, est-ce que c'est si déconnant ce qu'il dit ? Bah, moi, ça me choque aussi un petit peu parce qu'il y a une double lecture. Tu vois, Stadia, par exemple, il y a des exclusivités, des choses comme ça, ou des partenariats qui sont faits avec certains studios de développement. Et imaginons qu'on parle d'une exclusivité Stadia. Bah, le studio qui est derrière le jeu va reverser une partie des revenus générés sur le jeu à Stadia, alors qu'ils n'ont absolument pas fait le jeu. Donc c'est un peu pareil, tu vois, c'est le même débat dans le sens où rigolo, c'est... nous streamers, nous youtubeurs, on apporte à ces studios-là en leur donnant un peu d'exposition dans certains cas, bien sûr, je dis pas que c'est toujours le cas. Genre Cyberpunk, il y a absolument pas besoin de ils n'ont pas besoin de ça. GTA non plus, on est d'accord. Mais ne serait-ce que pour citer Among Us, comme on en parlait tout à l'heure, à mon avis, après, c'est le même cas de figure. Est-ce qu'il y a encore des gens qui seraient hype de fou là par GTA 5 si les gens n'avaient pas non plus mis la hype avec avec des vidéos, avec du streaming, etc. Bah, tu vois, juste enfin, le jeu date d'il y a 7 ans. Je te rappelle la campagne de com de Red Dead 2, c'est un tweet, un wallpaper et un trailer. Ouais, non, mais oui. Voilà. Mais ils ont besoin de personne, tu vois. C'est, je sais pas, ça se défend, mais en même temps, dans ce cas-là, ça veut dire que tu shut down toute l'industrie, quoi. Enfin, toute l'industrie. Ouais, toute la partie YouTube, toute la partie création de contenu. Ouais. Enfin, si je dois payer pour. Alors, pour les énormes titres, ok. Parce que eux, ils vont avoir les moyens et tout. Mais du coup, si je dois payer pour aller streamer un petit jeu que j'ai envie de tester une heure et ça se trouve, ça va pas me plaire, bah, jamais je vais le faire. À la limite, tu pourrais imaginer ce truc-là sur notamment les jeux narratifs. Enfin, c'est ce que je me suis dit à l'instant. Et puis en fait, quand tu y réfléchis, tu fais, mais même pour les jeux narratifs, on se souvient du succès des jeux de Telltale Games. Oui. Ils auraient pas eu ce succès-là si les streamers avaient pas popularisé le truc. Donc en fait, même pour les jeux narratifs, où en fait, on est des machines à spoil, bah, en fait, on fait quand même vendre des jeux. Donc, Bah ouais, ouais. Après, sur la question de la vente des jeux, j'avais vu l'avis d'un mec qui a justement bossé dans ce milieu-là, dans l'industrie du jeu vidéo, et qui a bossé notamment avec plusieurs studios de développement de jeux. Ils ont produit des jeux, ils ont bossé avec des streamers pour mettre en avant ces jeux. Et en fait, il a expliqué que ça ne booste pas du tout les ventes, le streaming, que c'était vrai il y a des années. Et que maintenant, ça booste moins les ventes. Attends, mais t'as vu les succès de jeux, de petits jeux indés comme Among Us Il y a des nuances. Il y a des exceptions comme Among Us qui sont genre explosion à ce niveau-là. Par contre, il dit, la nuance, c'est que c'est pas forcément une question de chiffre de vente. Par contre, c'est un vecteur de communication qui est énorme et où les streamers font le travail du marketing. Ou... Et en fait, il y a tellement de compétition aujourd'hui sur la scène jeux vidéo que tu ne peux pas ignorer ce facteur, tu ne peux pas mettre à part les streamers. Par contre, tu es obligé de faire avec, d'utiliser le streaming, et qu'il ne faut pas voir ça de façon négative, comme le présente le mec, mais qu'il faut nuancer et ne pas dire « c'est les streamers qui font toutes les ventes ». Ah, bien sûr. Enfin, voilà. On n'a jamais dit ça. Ouais, ça, c'est sûr. C'est ça. Il y a un impact, certes, mais voilà, il faut mesurer l'impact. Quand tu as des jeux comme Apex, qui ont vraiment basé toute leur com sur ça... Hein, c'est clair. Ça a plutôt bien marché. Pour eux. Bien même le nombre de The Binding of Isaac que MV a dû faire acheter à des gens. Bon après, pareil, des exemples, on en trouvera plein. Sans doute que les développeurs, eux, ont des chiffres, des stats qui leur montrent que ça impacte ou pas. Donc, il a peut-être raison de dire ce qu'il dit. Mais quand bien même il aurait raison,
c'est quand même un peu tricky de dire ça sur Twitter quand tu as la position qu'il a. Ça donne une très mauvaise image de Stadia qui n'en a pas besoin. D'ailleurs, petit truc drôle, Stadia a démenti derrière. Ils ont dit les tweets là, c'est pas nous. Ah ouais, oui. Ah ouais. Ouais, ils se sont dédouanés. Quand on arrive à ce moment-là, c'est que, ouais, c'est que ça, c'est ouais. La merde. Aïe. Zekaria, t'as un avis un peu sur cette question ou pas du tout? Bah ouais, en fait, je comprends l'idée du tweet du gars, parce que c'est vrai qu'un jeu vidéo, c'est de la propriété intellectuelle. C'est des gens qui ont mis de l'énergie, qui ont créé ça de leur esprit. Donc je comprends l'idée. Ça te ferait chier que je lise ton livre en stream, par exemple. Comme ça, les mecs, on peut prendre de l'acheter. Par exemple. Mais d'un autre côté, quand t'as, je sais pas, 500 000 personnes qui vont aller mater du Among Us, bah, automatiquement, c'est quand même une grosse, grosse publicité sur le jeu. Et pourquoi pas peut-être demander à chaque jeu, est-ce que, comme tu disais, Riot autorise le streaming, bah, peut-être que si ça se trouve, un jeu n'a pas envie, n'autorise pas, ou va demander, je sais pas, une redevance à Twitch ou ce genre de choses. Je suis sûr que ça complexifie, enfin, j'imagine que ça complexifie à complètement la limite, les trucs. Twitch pourrait mettre une option, tu vois, un truc ouais, que voilà. Tu coches ou pas, et que tu dis, je veux bien apparaître sur votre un plateforme. Un peu comme les images pas, libres de droit, quoi. C'est ça. Genre, bah, ce jeu est libre de stream. Ou pas. Ou pas. De toute façon, ce qui est bien, c'est que sur Twitch, quand tu sélectionnes le jeu auquel tu joues, pour le dire, c'est directement mis en dessous le titre. Donc, s'il n'est pas dans cette bibliothèque, techniquement, tu peux te dire, bah, je n'ai pas le droit de le streamer. Ouais. Ou alors, bah, je sais pas, l'éditeur veut de la thune quand tu le streams. Donc, tu sais qu'en streamant ce jeu-là, bah, tu as une partie des revenus qui va repartir à l'éditeur. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Genre, 30% de vos revenus publicitaires par exemple, vont aller dans la poche de l'éditeur. Enfin, je ne sais pas, parce que je comprends l'idée de la musique. Après, la finalité de la musique, c'est d'être écouté. Donc, si tu la diffuses, tu la fais écouter à des gens. La finalité d'un jeu vidéo, c'est d'être vécu et c'est aussi d'être joué. Oui. Là, tu ne joues pas, tu présentes le jeu d'un côté. Les gens, même s'ils l'ont vu, ont quand même envie de tester. Quoi. Et à ce moment-là, comment tu fais? Genre, tu vas diffuser, je sais pas, des images d'un jeu à la télé parce que tu fais un test ou des trucs comme ça. Tu fais quoi? Tu vas reverser c'est que l'argent à... Dans le chat, tu as par exemple, ça dit, t'as des tout petits streamers qui vivent tout juste de leur truc. Si en plus de ça, on leur remange derrière quelque chose alors qu'ils font que de jouer à un jeu. Ah mais clairement, les petits streamers, c'est la majorité des streamers en fait. Oui. Oui, oui. Et ça représente. J'ai vu des stats il y a pas très longtemps. En fait, tu as 50 sur le viewership français. Mm-hmm. Donc, tu as 100 000 mecs qui regardent Twitch le soir en France, par exemple. Mais en fait, tu en as 50 000 qui regardent le top 10 des streamers français. Et ensuite, tu en as 50 000 qui regardent tout le reste. Le reste, ouais. Mm. Donc, en fait, c'est quand même pas négligeable, tu vois. Et des streamers, il y en a des petits streamers, il y en a des tonnes. Et effectivement, si tu commences à leur mettre, il faut payer la musique, il faut payer le jeu, il faut payer machin, bon, bah, les mecs, ils sont morts, quoi. Mm. Déjà que les gros. Paieront pas ça, imagine les petits quoi. Complètement. C'est terrible. Ouais, bref, il a pris la sauce. Business, quoi. Il a pris la sauce sur Twitter, il a passé un mauvais moment et en plus, il n'a pas compris pourquoi. C'est-à-dire qu'il a mis un autre tweet, je crois, derrière où il dit putain, j'hallucine de voir que les gens ne sont pas d'accord avec moi. Mais surtout, tu vois que aujourd'hui, ça marche dans le sens inverse pour des gros streamers, c'est-à-dire qu'ils se font payer pour jouer à des jeux. Oui, c'est ça. Donc c'est que ça apporte quand même quelque chose aux développeurs, à la marque. Ouais. Donc, c'est son tweet, bizarre. Il a un peu caduque. Il sert à rien. Je crois que c'est Zerator qui a tweeté un truc genre j'en parlerai dans un stream juste avant de jouer à un jeu pour lequel j'ai été payé. Non, mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, juste après ça, quand il a mis j'hallucine que les gens pensent ça, et il a mis un truc en dessous en mode je vais aller stream un peu de Among Us s'il y en a qui veulent venir, tu vois. Et du coup, les mecs ont répondu en dessous. Pense à payer une licence du coup parce que ça t'appartient pas gros. Ah oui, il a pris cher. Ah, il a pris très très cher. Bon, je te laisse continuer Hugo. Ouais, je continue avec autre chose. On est vendredi et le vendredi c'est le jour des sorties. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'il y a René Malville qui nous résume la situation. Je ne vois rien venir. Merci René. Il n'y a absolument rien à se mettre sous la dent, si ce n'est le petit DLC dont nous parlait Sunday tout à l'heure sur Pokémon. Il y a un autre petit jeu, alors attendez que je vous retrouve ça, qui me faisait... Je crois que j'en avais parlé une fois dans un récap. J'ai totalement zappé le nom, j'aurais dû le noter, je suis con. Ça me faisait penser à un mélange entre l'étrange de Noël de Monsieur Jack et un Medieval à l'ancienne. Il faut que je retrouve absolument le titre, mais vu qu'il y a une vidéo qui passera après, je vous le redonnerai tout de suite après. Et vu que je n'ai pas passé de vidéo aujourd'hui, on va se mater un petit trailer quand même. Non. Vu que c'est bientôt Halloween, c'est bientôt la Halloween, comme disent certains, comme la Noël, ça n'existe pas. C'est Little Nightmare 2, on regarde, c'est plutôt stylé. Peggy 16.
Sur nous, voilà. Donc le 11 février 2021, ça sortira sur PS4, Xbox, Switch, je crois, et PC. Et l'upgrade est gratuite si vous achetez ensuite une Xbox Series X ou une PS5. Donc c'est déjà ça de prix. C'est quand même pas mal. Et le jeu dont je parlais juste avant, j'ai retrouvé le nom, c'est Pumpkin Jack, qui sort aujourd'hui, notamment sur Steam. J'étais sur la page tout à l'heure, il allait se débloquer. Je t'ai mis la vidéo, je crois, juste au-dessus, à la place de René Malville, qu'on salue. Je te l'ai mise, mais vous pouvez aller checker, c'est plutôt joli. Enfin, c'est un petit jeu, d'accord, hein, faut pas être méchant. Mais si ça vous intéresse d'avoir des petits feels à l'ancienne, comme sur Medieval, ouais, de ouf. Puis même le jeu PS2, l'étrange Noël de Monsieur Jack, je sais pas, ça me fait penser beaucoup à ça. Donc j'irai, moi je testerai ça ce week-end et je vous en donnerai. T'as une bonne gueule. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à toi Hugo, on enchaîne directement avec Sunday qui n'a pas pu faire sa chronique hier, on va en parler. Aujourd'hui on va parler d'amour. Ah bon? Notamment. Un peu. Enfin. Jingle. Jingle. Yes. Yes. Ah, il veut pas faire sa jingle. C'est... faut le chanter en fait. C'est le bug les amis, c'est le bug total. Et ben voilà, jingle à la bouche, on y va. Du coup Sunday, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Alors je vous parle de bref sur les réseaux sociaux, non pas de posts comme on a vu, mais vraiment les réseaux sociaux en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveautés qui sortent un petit peu sur les réseaux sociaux en ce moment? Effectivement, on va commencer avec de l'amour, avec Facebook Dating. Nouveauté qui sort, s'il y avait encore des choses que Facebook ne faisait pas officiellement, c'était les rencontres. Et bien maintenant, ça y est, il y a Facebook même pas. Dating. Non, mais moi, j'avoue. Ça semblait si évident qu'il fallait le faire et pourtant, ils ont mis si longtemps. Ils le faisaient, mais sans vraiment le dire, quoi. Ouais. Quand tu poques ou que tu ajoutes en ami une meuf que t'as vue random sur Facebook, bon. Et c'est pas pour lui demander s'il fera beau demain. Écoute, en tout cas, maintenant, il y a un truc... Ça peut être une manière de l'approcher. Enfin, après, si t'ajoutes des random personnes sur Facebook pour les draguer, t'es bizarre aussi, j'avoue. De base, je clairement. Je sais pas si ça marche. Écoute, il y a peut-être des taux de succès. On saura peut-être un jour. T'es déjà fait draguer par Facebook, ouais. Oh là là, si tu savais les messages que je reçois parfois. Elle a démarré au quart du tour. Ah non, mais c'est... Oh là là, ça là, sort là, du tu n'imagines mais... pas. Ça sort du cœur, mais vraiment. Le jingle. Ah, yes. Merveilleux. On va parler d'amour. Non, mais c'est vrai que des fois, on reçoit des messages sur les réseaux sociaux. Forcément, dès que tu as un profil un peu public, tu as des déclarations parfois un peu surprenantes. Non, nous, non, ça va. Hein. En vrai, si. Ah ouais, mais si, ouais, mais c'est toi, sûr que vous en avez. Parce que t'es plus beau gosse que nous. C'est fou en plus. Absolument. Mais vraiment, vous n'avez jamais reçu des... Non, désolé. Si t'as pas de boobs, t'as moins ce problème. Beaucoup moins. Ça m'est rarement C'est triste, arrivé. Hein, mais c'est factuel. Si tu t'appelles Wartek, peut-être, mais... Oui, voilà. Mais non, nous, non. Johnny Depp. Écoute, je... C'est en mode, regarde, trop bien, j'ai vu un restaurant, là, il s'appelait Le Fast. Mais moi, je veux des DM comme moi, ça, c'est des sosies, bien, c'est des photos de sosies qui me ressemblent absolument pas. C'est génial. Je reçois des DM, regarde, le mec, il vérifie si les glaces au McDo, elles marchent. Voilà, merci, énorme, utile. Oh là là. On a des vrais tweets. Effectivement. Du coup, donc, ça va être en fait une partie de Facebook vraiment dédiée aux rencontres. Alors, ce n'est pas dispo sur la version desktop de Facebook, ce n'est que sur mobile. C'est en fait un onglet qui s'ajoute dans votre profil où il y a marqué rencontres. Alors, j'ai Encore été regarder... un onglet. Pardon ? Encore un onglet. Encore un onglet, non, mais il y a une liste d'onglets. Ouais. Je ne sais même plus ce que Facebook ne fait pas, tellement il y a de choses dessus maintenant. J'ai été tester un petit peu, voir comment ça marche. Donc, très classique. Hein. Il prend nos infos de profil, il nous demande si on veut les mettre ou pas dans son profil. Évidemment, on a le choix. Il nous pose 8 milliards de questions. Où avez-vous été à l'école? Qu'avez-vous fait? Quels sont vos revenus? Stop. Ça m'intéresse, là. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que quand tu lances le truc, les questions te sont posées... une à une, genre t'as une question, tu tapes ta réponse et tu mets suivant, une autre question, et genre ça te profile. Alors, dans le sens inverse, ça prend d'abord ton profil Facebook avec les infos que tu as indiquées, et ensuite pour toutes les questions auxquelles Facebook n'a pas formulaire. De réponse, t'as en fait, voilà, c'est ça, une question à la fois qui vient et il te demande où avez-vous été, etc. Tu es libre de répondre ou pas, et puis...
Voilà, à la fin, ça te fait un profil. À la fin, il te dit, vous êtes plutôt comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, et vous allez matcher avec lui, elle. Il fait des matchs, écoute, basés sur la localisation, puisque tu indiques dans la localisation, selon le... Eh bien, la femme de votre vie est en Australie, les gars. Allez, non. Et il y a des applis qui pourraient fonctionner comme ça, basés sur les centres d'intérêt, etc. Ça existe déjà, je crois. Ça existe, il me semble. Mais j'avais bossé... Adopte un mec le faisait un peu, déjà. J'avais bossé pour une start-up qui faisait ça, justement, qui utilisait de l'IA pour définir selon tes centres d'intérêt. Qui pouvait matcher vraiment avec toi. Voilà. Ça marchait. Écoute, la start-up n'a pas décollé. Voilà, tout est dit. Voilà. Et donc ça génère votre profil. Alors, faut savoir que c'est bien séparé de Facebook, c'est-à-dire que quand vous êtes sur Facebook dating, vos amis sur Facebook ne savent pas que vous êtes dessus. Donc même si vous êtes marqué en couple sur Facebook, secret, ce n'est donc pas noté. Donc il y a un petit côté Gliden. Il y a un petit côté un peu... voilà. On peut faire des rencontres extra-conjugales. Alors, on c'est ne quoi, peut Gliden? Pas matcher... Gliden, c'est un mythique quand t'es, pour les vieux. Quand t'es déjà pris. Ouais. Ouais. Ah ouais. T'es marié, tu vas dessus, et en gros, c'est mais en du coup, toute discrétion. Mais du coup, le jour où toutes les données sortent, mais c'est, ça c'est va faire très mal. Il y a déjà eu, je crois, c'est des leaks. Arrivé. Il y a déjà eu des gros leaks hein, de données de Gliden. Ça fait mal. Ouais. Et je sais aussi que je crois qu'ils avaient fait une campagne de com où ils avaient utilisé genre des photos de François Hollande avec son scooter ou des trucs comme ça à l'époque. Et ça avait pas mal. S'il avait utilisé Gliden, c'était un truc dans le genre. C'était un truc dans le genre, ça avait beaucoup fait rire à l'époque, mais ouais. Être fidèle à deux hommes, c'est être deux fois plus fidèle. Ouais, c'est une manière de voir les choses. Moi, ils s'en cachent pas. Hein. Non, c'est très assumé. Il y avait les putes dans le métro. Donc, ouais, les putes dans le métro, c'est vraiment la pomme croquée en mode. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Alors, ouais. Nous allons fauter, quoi. Ah bah. Le changement de compagne, c'est maintenant. Au moins, on peut dire qu'ils ont de l'humour. Donc, on ne peut pas matcher avec ses amis. Ils ont pensé à tout. Quelle déception. Ah bah, écoute, il y en a peut-être pas qui veulent matcher avec des amis. Peut-être qu'on veut matcher avec les amis. On ne peut pas, sauf en utilisant, petite astuce, l'option Secret Crush. C'est-à-dire qu'on peut spécifier 9 de ses contacts Facebook en disant « j'ai un crush sur cette personne ». Elle, j'aimerais bien que tu lui envoies un message pour lui dire « Écoute, on a profilé Jean-Mi, il se trouve que c'est ton homme idéal ». Tu le savais pas, mais il est parfait pour toi. Tu devrais. Tu t'appelles Jean-Mi, ça part déjà mal. Hein, mais... Ouais, c'est vrai, c'est chaud. C'est Facebook, hein, tu sais, ça, finalement, est-ce que ça correspond pas c'est payant. À la population. Ce n'est pas payant. C'est gratuit. Il n'y a pas d'option de monétisation ou quoi que ce soit. Bah, attends, c'est cool ça. Tous les trucs de dating sont payants. Il y a de la pub là, dessus. C'est gratuit, il n'y a pas de pub. Après Facebook, quand c'est gratuit, c'est que le produit, après, c'est quoi. Il récupère masse données aussi. Exactement. Ouais, ouais. Donc Facebook se met bien de base, hein, au niveau des pubs. Ouais, ce qu'il récupère derrière. Et alors, du coup, t'as matché? Ah, j'ai matché personne, j'ai créé mon profil et j'ai supprimé parce que moi, après, je vais avoir des ennuis sinon. On va me tomber dessus, on va me faire dis donc, qu'est-ce que. Je suis tombée sur un truc. Donc, non, je n'ai pas gardé mon ça profil. Ça marche sur mobile ou c'est que desktop? Uniquement sur mobile, pas desktop. Ah. Ah, c'est, mais wow. D'accord, c'est même l'inverse, c'est que mobile. D'accord. Ouais, que mobile, on ne peut pas du tout y accéder via. Et on ne peut pas y accéder via une application externe, c'est que via l'application ouais. Facebook. Exactement, c'est dans le profil directement, il y a un petit cœur avec marqué rencontre. Je m'enseigne, hein, c'est juste comme ça. C'est la culture. Hein. Voilà. Déjà une nouvelle femme, tu as ton nouveau PC. C'est vrai. Tu vas passer beaucoup de temps avec. J'en ai même deux. Bah voilà. Tu te rends compte? Incroyable. Deux maîtresses pour le prix d'une le même soir. Pouf. Incroyable. Et j'en ai même une troisième. Que j'ai reçu ça. Oui, mais tu vas la renvoyer. J'en parlerai tout à l'heure. Je vais finir. Tu nous expliqueras la terrible information. Du coup, donc voilà pour Facebook Dating, petite news un peu sympa, il est arrivé en France. On passe sur Snapchat, réseau complètement différent, qui s'annonce nouveau challenger sur TikTok, encore un qui se place sur ce marché-là, sur les vidéos courtes, avec une nouvelle fonction qui s'appelle Snapchat Sounds, la possibilité de mettre de la musique maintenant dans ses snaps. Ouais, bon, l'idée c'est d'aller chercher TikTok, quoi. Ouais, l'idée, c'est d'aller un petit peu gratter TikTok, qui a beaucoup de problèmes sur les problèmes de confidentialité, problèmes de drama, etc. Oui, c'est donc, vrai, voilà. Parce qu'aux États-Unis, ils ont eu l'obligation de laisser la main à une société américaine. C'est ça. Par contre, en France, il n'y a pas de soucis, c'est les Chinois qui gèrent tout. Quoi. Oui, mais le data center va être construit en Irlande, comme ça, les données de l'UE restent dans l'UE. Et ils font chier que TikTok pour ça. Non, je crois qu'ils voulaient faire avec Facebook et tout. Ouais. Ah, c'est pour tout le monde. Ah oui, ouais, oui, ils sont terribles avec ça, avec ce qu'on appelle le RGPD, Règlement Général Protection des Données. En vrai, c'est plutôt sage dans le sens où, même si évidemment, c'est pas quelque chose qu'on souhaite, si demain, t'es en guerre avec je ne sais quelle partie du monde,
si tes serveurs ils sont là-bas, c'est chiant parce que ouais, tes données elles y sont quoi. Donc t'es un peu déçu. Ouais, puis au-delà d'être en guerre, c'est aussi des données personnelles de citoyens, tu vois. Donc ils veulent. Ouais, bon, après, est-ce que j'en ai quelque chose à foutre de savoir que ton PQ est rose ou blanc, bah, ouais, peut-être toi non, mais peut-être quand t'as les données de tout le monde, ça te permet d'avoir des profils, ça te permet de, tu vois, de déterminer des choses sur, bah, je sais pas, les Français, les Irlandais. Ouais, bah c'est bien, non ? Et ça dépend ce que t'en fais. En fait, ouais, je me dis, ça leur permet de créer des produits dont on a besoin, d'utiliser les bons moyens de communication. Ouais. Je trouve ça plutôt utile. D'influencer des élections. Exactement. Oui, bon, d'accord, tout de suite. Non, mais c'est aussi le problème. C'est aussi le cœur du problème. Acheter son livre, cette histoire. histoire de guerre. Mais c'est vrai que je crois qu'ils veulent, les Européens veulent que les données des citoyens européens soient traitées en Europe. Oui. Et du coup, ça a pu stocker aux États-Unis parce que là, elles passent l'Atlantique. Toutes nos données, elles sont stockées sur des serveurs Facebook qui sont américains. Donc, si nous, on change notre loi, eux, les données, elles sont sur leur serveur. Ils sont en mode bon, et tout va bien. Et ouais, je crois qu'ils veulent, faire ça. Et Facebook, Google sont pas très contents parce que, bah, automatiquement, ça veut dire faire des infras spéciales pour l'Europe. Enfin, c'est des gros travaux. Ça va coûter très cher. Ou alors, il va falloir laisser la main à une autre boîte. Mais du coup, c'est-à-dire que tu leur laisses les données aussi. T'as pas envie. C'est galère. Ouais, c'est très très chiant. Bon, on verra. C'est un vrai débat. Ouais, c'est un vrai débat. C'est un débat hyper hyper profond, effectivement, les données en Europe. Donc, il se place effectivement contre TikTok. Après le. C'est déjà sorti ou ça va sortir ? Ça va sortir, il me semble. Il me semble que ça. Ils ont sorti le trailer, ça va sortir. C'est pas dead Snapchat ? Il y a peut-être des gens qui l'utilisent encore, c'est juste que c'est pas nous l'audience cible. C'est clairement, si tu vas devant un collège, gros, c'est l'application la plus utilisée. Quoi. Okay. Bah ouais, c'est pas TikTok ? Bah, c'est pas TikTok et Snapchat, ça doit être. C'est la même chose, quoi. Ouais. Okay. J'en parle sur Snap et regarde des vidéos. TikTok, ouais, complètement. Ils jouent plus sur la mise en avant de la musique comparé à TikTok, qui eux sont très dans le paraître, dans le visuel, etc. Là, c'est mise en avant de la musique. Ils ont signé notamment avec Justin Bieber, il me semble, pour une musique qu'on ne peut utiliser dans le catalogue de musique que sur Snapchat Sound. Un contrat d'exclus pour la musique. Exactement. C'est déjà disponible, apparemment. C'est déjà dispo. Merci beaucoup. Bon, donc, dispo sur iOS uniquement aussi. Voilà donc pour ceux qui utilisent Snapchat. Twitter. Ah, t'as fait le tour de toutes les applis là. Ah, j'ai fait un petit peu le tour des news. Twitter, il y a eu un changement au niveau des RT. Est-ce que vous l'avez vu ? Faut cliquer deux fois pour RT. Ouais, c'est ça. Oh bien. Ah ouais ? Ouais. Ah bon ? Ouais. Il t'ouvre la fenêtre de citation automatiquement maintenant. Retweeter et retweeter. Ça rend le retweet plus compliqué. Oh, ça va, il n'y a pas mort d'homme non plus. Et à ton avis, pourquoi ? Pour éviter les bots ? Non. Fake news ? Pour que les gens retweetent pas. Enfin, qu'il y ait un clic en plus, ça oblige à. T'as vraiment envie de retweeter, quoi. Ouais. C'est ça. C'est exactement ça, en fait. C'est pour que les gens réfléchissent un petit peu plus à ce qu'ils retweetent, qu'ils arrêtent de retweeter des fake news. En fait, ils avaient tendance à retweeter comme on like, en fait. Exactement. Mais d'ailleurs, pour aller plus loin, excuse-moi. Pour aller plus loin, je crois qu'ils ont mis un truc où dès qu'il y a un lien sur un tweet et que tu veux le retweeter, même si tu mets activer le retweet et tout, il va te mettre une notif en mode attention, vous n'avez pas cliqué sur le lien, lisez-le avant de retweeter le truc. J'ai entendu parler de ça, pour éviter la news, arrête de lire que le titre. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est pas temporaire le truc du retweet. Alors c'est temporaire, pourquoi ? Parce que c'est la période des élections américaines et qu'il y a beaucoup de problèmes liés aux fake news là-bas à cause de ça, donc ils veulent pas que ça influence les élections dans un sens ou dans un autre. Donc voilà pourquoi ils ont mis en place tout ça. C'est bien, c'est très bien, bravo. Voilà, intéressant. Rien à dire. À savoir. Ah, attends, bon, je te pose une question, t'as peut-être pas la réponse, mais on ne sait jamais. Il y a des années qu'on entend que Twitter, ils n'arrivent pas à gagner de l'argent, que ça va fermer, que c'est chaud pour eux. Et puis ça ne ferme jamais. C'est vrai. Voilà, télétravail. Hein. Enfin, ils ont déjà déclaré que, enfin, quand il y a eu le souci au tout début du Covid, etc., de la Covid. Ils ont déclaré que tous leurs employés pouvaient travailler de chez eux, même s'ils n'étaient pas concernés par le confinement, des choses comme ça. Donc ça réduit énormément les coûts, tu vois. Ouais. Si t'es une entreprise comme ça qui autorise full télétravail, bah, déjà t'as pas de locaux à payer, t'as pas de. Puis ils ont multiplié aussi leur. Je sais pas si c'est toujours en place, mais. De gagner des thunes, tu vois. On voit que maintenant, quand t'as certains événements, quand tu mets hashtag machin truc, t'as une petite icône à côté. Ça c'est un truc que les marques doivent payer. Quand tu cliques sur un like qui est lié à un hashtag particulier, le like a un design aussi, l'animation change, j'imagine que c'est un truc qui se paye aussi.
Bon, voilà, ils essaient de multiplier leur manière de ramener du pognon. Tant mieux, hein, parce que Twitter, en vrai, ça ferait bien chier que ça disparaisse. Ah, bah, c'est clair, ça carie comme réseau. On aurait du mal à tout remplir si on perd une émission, c'est relou. Ce serait compliqué. Donc, prochain réseau Instagram. Ouais. Petite news sympa, nouvelle option de monétisation pour les influenceurs sur Instagram. Un truc. Le compte qui va se remettre à marcher. Ça y est, ça relance Instagram. En fait, Instagram, c'est une fonction qui avait déjà été lancée et maintenant, il passe en phase de test un petit peu plus global avec les badges lors des lives. Ça vous rappellera peut-être quelque chose. Maintenant, quand vous êtes en live sur Instagram, vous pouvez inciter vos abonnés à vous soutenir en achetant un badge. Donc, le badge coûte entre... il y a 1 dollar, 2 dollars et 5 dollars et vous avez à côté de votre pseudo un petit badge plus ou moins grand en fonction de la somme que vous avez lâchée. C'est le but. C'est l'avenir. Des subs, quoi. C'est l'avenir. C'est des subs. Quoi, t'as dit sur Instagram, littéralement. Ouais, c'est comme sur TikTok au final. Enfin, oui, t'as ça aussi, ouais. Genre sur TikTok, quand tu fais des lives, c'est genre on t'envoie des émoticônes et il y a des émoticônes cowboy qui coûtent 10 balles et puis l'émoticône diamant qui coûte 20 balles et voilà quoi. Ah ouais. Les mecs sont en mode let's go, merci pour toutes les émoticônes. Tous les cowboys dans le chat. Merci beaucoup. C'est bien qu'il y ait des options de monétisation en interne comme ça. Genre sur Twitch, il y a des options de monétisation très simplifiées pour les influenceurs. Sur les autres réseaux, c'était quand même super compliqué de monétiser. Bah, ils ont tendance à ne pas vouloir donner de l'argent à ceux qui créent le contenu, et plutôt à juste prendre les thunes des marques et à eux-mêmes gérer leur business et terminer. Exactement. Écoute, on verra si l'avenir leur donne raison. On verra si c'est lancé à terme définitif. En tout cas, là, c'est en phase de test. Et pour l'instant, 100% des revenus vont aux influenceurs. Bon, ils ont dit 100% que actuellement, sur les phases de test, 100% qui reviennent aux influenceurs. Pour l'instant. Ça part sur Instagram. Attention, petite nuance, Instagram a spécifié que s'ils démocratisent, forcément, ils vont probablement prendre une part dessus pour se rémunérer. Bah oui, évidemment. C'est normal. Et je termine, alors c'est pas vraiment un réseau, mais c'était petite news intéressante sur Google Maps. Google Maps qui est en train de développer les données d'affluence en direct. C'est-à-dire, vous avez vu déjà peut-être sur les fiches sur Google Maps, quand vous voulez aller dans un resto, etc., ou dans un magasin, il y a marqué les horaires très d'affluence. Très animé, machin. Exactement, pour savoir quand est-ce qu'il y a du monde ou pas de monde. Bon, dans la situation actuelle, c'est une info qui est quand même hyper intéressante pour un petit peu essayer de lisser les flux d'affluence dans les magasins. Du coup, ce qu'a fait Google, c'est qu'ils sont en train de développer l'information en direct, pour savoir en direct si un lieu est animé ou non, avec possibilité, quand tu mets ton GPS sur Google Maps, de savoir si au moment où tu arriveras, il y a une forte probabilité qu'il y ait beaucoup de monde, pas beaucoup de monde, etc. Et comment ils déterminent ça ? Tu as un téléphone, tu es probablement connecté à Gmail ou quelque chose comme ça. Voilà. D'ailleurs, c'est une bonne façon de développer, je trouve, dans la situation actuelle, une option qui est sympa, mais là, qui a vraiment une utilité. Et du coup, est-ce qu'on risque pas, en utilisant ce genre de choses, bon, après, il faudrait que ça se développe beaucoup, mais est-ce qu'on risque pas, en utilisant ce genre de choses, d'avoir un petit peu l'effet Waze, c'est-à-dire qu'un endroit où il n'y avait pas de bouchon, en fait, va y en avoir un, parce que du coup, tout le monde va aller là, parce que Waze leur dit d'aller là. Là, en gros, on pourrait se retrouver à des endroits où, en gros... le magasin va te dire « Oh, à 15h, il n'y a personne. » Du coup, tout le monde va venir à 15h. Et du coup, ça va être blindé à 15h, en fait. Bah, ça, c'est ce qui se passe avec les données actuelles qu'on a sur les infos qui ne sont pas en direct, qui sont faites avec des estimations. Si on a les données en live, si ce genre d'effet se produit, il va dire directement « Attention, là, c'est rempli, venez plus tard. » Ok. Donc, voilà, petite news, sympa sur Google Maps. D'ailleurs, chose que j'ai découverte aussi sur Google Maps, je ne savais pas que ça existait, le pourcentage d'affinité avec les restaurants. Pardon ? Vous avez vu ça ? Non. Ok. Non. Incroyable. Breaking news. c'est oufissime, j'ai découvert ça en faisant mes recherches. Attends. En fait, quand je cherche un restaurant sur Google Maps, il me donne un pourcentage d'affinité en fonction des restaurants où j'ai été pour me dire est-ce que tu vas aimer ce restaurant ou non. D'accord. Je trouve ça incroyable. Attends, je tente, je mets restaurant italien. J'ai pas vu du tout ce truc-là. Ah, j'ai découvert ça hier en faisant la chronique, c'est vraiment un problème. Donc il me disait les restos aux alentours, là il me disait Big Fernand, 68% ça, de chance d'aimer. Ouais, d'accord. Okay. Tu vois, c'est... Ah oui, mais ils ont rajouté, alors je ne sais pas si c'était déjà comme ça avant, mais effectivement là ils me proposent différents restaurants
Et en gros, il me dit si ça fait de la vente à emporter, si ça fait repas sur place, je peux directement réserver une table. C'est-à-dire, j'ai un bouton réserver une table. Ouais. Voilà, il va falloir te dépêcher, hein, ça va jusqu'à 21h. Oui, bon, bah, ça va, ça va. Par contre, je ne vois pas, le pourcentage. Tu n'as pas le pourcentage sur Google Maps sans sélectionner, sans rien mettre en. Écoute, on va pas passer 10 ans là-dessus. Je montrerai si vous voulez. Mais écoute, moi je le vois pas en tout cas. Ok, bah, je vous montrerai ça, mais c'est vraiment un truc peut-être que improbable. C'est une fonction. Que tu sais, des fois ils ont des nouvelles fonctions et qui déploient petit à petit. Je suis peut-être bêta testeur de la fonction. Sans le savoir. C'est voilà. Ils te l'ont activé. Et j'ai peut-être une breaking news. Voilà pour cette petite chronique sur les news. Merci Sunday, c'était très cool. On va apprendre quelques trucs pour se coucher moins bête. Oh non, c'est la chronique de Xari. Ah! Ah! Pépé, mais Pépé, mais Pépé. Non, mais Pépé, mais moi, ouais. Tu veux. Mais ce que tu veux, c'est pas grave. Dans l'ordre que tu veux, ça n'a pas d'importance. Breaking news! Aujourd'hui, je sais que c'est quelques petits trucs en rapport avec l'histoire, évidemment, parce que bah, voilà, on a un invité de marque. Deux, trois petites devinettes. On va commencer par la France. Vive la France. Quel est notre président Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, yes. Bonne réponse, un point pour Hugo. Est-ce que tu saurais me dire. Bon, ça va être chaud pour toi, Hugo, je pense, mais. Tu t'attaques au plus con directement, quoi. Non, non, mais c'est parce que t'es à côté de moi. Mais là, nous sommes dans la 5ème République, je pense que tu. Peut-être, tu ouais. Savais, ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Et la Première République, est-ce que tu sais de quand elle date, la Première République? Il a lâché un peut-être. Ah. Non, mais ça, c'est normal que tu ne saches pas, c'est dur. De quoi, la 5ème République? Non, la Première République. Ah, la Première. Ah, première. Oh. Ça fait. Oula. Ça fait plus de 100 ans. Ça fait Zumba Café. Oh. Bah oui, oui, voilà. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une révolution et après, c'est arrivé sûrement c'est arrivé. Dans ces eaux-là. Donc, ouais. Ok. Ça arrive. Ah, bon. Il donne pas les indices, il donne la réponse. Donc, Première République, 1792-1802. Et là, il y a eu une particularité dans cette. Ah, mais il s'est passé quoi pendant 3 ans, du coup? Oh bah, ils étaient en train de mettre en place. D'accord. Ils étaient en train de réfléchir. C'était des jeux de paume, ils étaient c'était là, en gars, bêta. Des lois. J'étais pas là-bas. Mais en fait, le truc qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que par hasard, Max, que tu pourrais te souvenir de. Bah, parce qu'on est la Première République, est-ce que tu pourrais te souvenir peut-être d'un nom d'un président ou pas? De la Première République? Peut-être. Aucune idée. Pompide. Non, mais tu vas peut-être me le dire. Je vais dire, bah oui, évidemment, mais. Oui, voilà, sûrement, j'ai pas. Ouais. Bah non, en fait, tu peux pas le dire parce qu'il n'y a pas eu de président, en fait. Lors de la Première République française, ouais, donc il n'y a pas eu de président, donc forcément, c'était un piège. Donc c'était qui? Il n'y avait que des ministres? Bah, en gros, c'était. Il y avait des régimes politiques, mais il n'y avait pas. C'était en collectif, c'était pas un président, tu vois. Et donc, du coup, est-ce que tu pourrais me dire? Ils avaient trop peur de donner le pouvoir à une seule personne. Bah après, c'était pas techniquement. Voilà, c'était. Il préférait prendre. Enfin, en gros, il n'y avait personne à la tête, mais il y avait quand même un pouvoir en place, quoi. D'accord. C'était juste pas une seule personne. Et puis, de toute façon, maintenant, en République, Macron, il fait pas ce qu'il veut non plus. Oui, bien sûr. Pas se déconner, ce n'est pas un roi. Et du coup, est-ce que tu pourrais me donner, Max, peut-être, le tout premier président de la République? Le tout premier président de la République? Ouais, et pas de la première haute, mais quel a été le premier président de la République française, au final? Non, du coup. Non, franchement, je. Franchement, tu le sais. Franchement, tu le sais. Non, mais je sais pas, je vais dire René Coty, quoi. Mais non, mais. Tout ce qui avance, j'ai pas, gros. Il y a quand pas. Même De Gaulle, quoi. Mais, enfin, De Gaulle, c'est après. Mais, bah, c'est après, De Gaulle, oui, voilà. Mais là, on est le premier président de la République. Mais. C'est rien, frérot, je suis à chier en histoire. Il y a un mec à côté qui a écrit un des bouquins d'histoire. En plus, là, je t'avoue que je sais pas du tout qui c'est. Le premier président c'est de la République. L'imposteur, c'est un semi-piège. C'est genre. Je le sais forcément, mais tu dis. Ah, donc du coup, oui. C'est pas Robespierre? Non, 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 pas Robespierre, il est. Non, il est. Il est ciao. Oui, bon, d'accord, mais bon, le premier président aussi. Alors, petit indice, je ne sais pas si ça vous aider, c'est le premier président de la République, c'est le premier président de la Deuxième République. Ok, mais. D'Artagnan. 1848. Je suis à chier en histoire, gros. Louis-Napoléon Bonaparte, tout simplement. Donc, c'est, si je ne m'abuse, c'est le petit-fils de Napoléon. Napoléon, celui qu'on connaît entre guillemets le plus. Dites-moi dans le chat si je dis de la merde, parce que je ne suis pas non plus. Ah oui, parce que le Napoléon qu'on connaît. On connaît. Le Napoléon III. Ah, c'est le neveu, pas le petit-fils. Ouais, c'est Napoléon III. Ce n'était pas le cas du coup. Donc, premier et plus de. Il était quoi, Napoléon, du coup? Il était corse. Il était empereur. Ouais, corse. Con, il était empereur. Il était d'abord, il était, je crois, il président était du directoire, quelque chose comme ça. D'accord, empereur. Et oui, il s'est fait couronner, évidemment, empereur. Tac. Mais voilà, donc c'est quand même assez marrant de se dire que Napoléon Bonaparte, celui qu'on va dire qu'on connaît le
plus, le mieux. Bah, il a été empereur, et son neveu, il a été président de la République. C'est quoi la diff? Alors, vous allez me dire, c'est évident, mais je demande à Xari parce qu'il a peut-être, tu vois, des... Tu vas dire la différence avec un roi et un empereur. Non, mais il lit un empereur, président, tu vois, c'est... Qu'est-ce qui change vraiment? Président, c'est, il est à la tête d'une république, donc déjà, c'est pas pareil. Après, empereur, c'est... C'est à la tête d'un royaume et à la tête d'un empire. Quoi. Et empire, il y a plusieurs royaumes à l'intérieur. Ah ouais. Tu vois, par exemple, l'empire britannique, t'as le royaume britannique, enfin, t'as du coup le royaume d'Angleterre, t'as le royaume du Canada, t'as le royaume, mais t'avais le Canada. C'est un ancêtre de Jem Jem. C'est vrai. T'as plusieurs royaumes dans un empire, je crois. Ouais, okay. D'accord, mais du coup, il n'y avait pas un empereur anglais quand ils ont tout colonisé? C'est une question. Non, c'est vrai, t'as raison. Je sais pas, j'avoue. Après, juste. Empereur, ma question n'est pas si conne. Mais elle est pas bête du tout. Elle est pas bête du tout. En fait, l'empereur, c'est quoi? C'est juste, c'est lui qui décide. Il fait bosser, moi le roi. Allez, niquez-vous. Je crois que quand empire, il y a pas une notion de guerre, de territoire à étendre ou je sais pas. Enfin, en vrai, on sait pas. On va se renseigner. On en reparle. Google la semaine prochaine. A sûrement la réponse, mais j'avoue que après, juste empereur, ça fait plus stylé. Ah, c'est plus stylé. Oh, si attends, et roi du PAF, c'est stylé aussi. Oui, roi du PAF, c'est pas mal. Mais par exemple, il y a rien au-dessus. De toute façon, roi des sites, c'est pas ouf. Alors qu'empereur des sites. Ouais. Empereur, c'est vrai qu'il y a un côté guerrier dans l'empereur. L'empereur, il casse des gueules. Quoi. Alors, bref. J'ai la réponse, si vous voulez. La différence entre roi et empereur, effectivement, c'est bien une notion de le roi dirige le royaume et l'empereur dirige l'empire. Empire. D'accord. Alors, du coup, tu peux y retourner. Quelle est la différence entre un empire et un royaume? Un empire est composé, du coup, de plusieurs royaumes. Donc, en fait, il y a des rois. Trop fort, et okay. L'empereur dirige les rois de cette empire. Vive l'empire. Putain, l'empire. Voilà. Bon, deuxième petite question. Les hiéroglyphes. Vous voyez ce que c'est? Champollion, Pierre de Coubertin. Oui, ça, c'est bon. Ça, on l'a. Question. Comment ça se lit, les hiéroglyphes? De haut en bas. De haut en bas? Sur le côté? Quel côté? C'est une blague. Je sais pas, de droite à gauche. Ouais, de droite à gauche. De droite à gauche? Je sais pas du tout. J'ai tenté le haut en bas, mais... T'as tenté le haut en bas, t'as tenté... Eh bien, vous avez un peu tous raison, parce qu'en fait, ça se lit en fonction de la... Du sens des mecs? De la direction, oui. Ah, de okay. La direction, ah. ça se lit en fonction de la direction des personnages, entre guillemets. Donc s'ils regardent de... En gros, tu regardes la direction vers laquelle ils regardent, et il faut lire... Dans bien, dans le donc sens là, de gauche à droite. Voilà, là. C'est ça. Tu regardes et de haut en bas, toujours. Ok. Ouais. C'est de haut en bas... Mais c'est soit de droite à gauche, soit de gauche à droite, selon du coup la direction des un gros du fait. Regard. Est-ce qu'il y a une... fallait être graphiste à l'époque pour écrire un TTR. Ouais, c'est stylé quand même. Hein. Est-ce qu'il y a une raison spécifique au fait qu'ils écrivent d'un coup d'un côté, un coup de l'autre? Ça, je sais pas. Mais droitier, gaucher, terminé. C'est peut-être ça. Que... Franchement, il y a grave moyen que ce soit ça. Mais t'avais aussi des alphabets où ils écrivaient comme ça, en S. Ah ouais. Donc il faisait une ligne, après il reprenait dans l'autre sens, après il reprenait dans l'autre sens. Et ainsi le mec a un défi, il est là, je ne lèverai pas le poignet. Non. Non. Attends, mais ça se suivait en frise ou alors il y avait une cassure à un moment et puis ça reprenait. Je sais pas du tout, mais je sais que c'est une forme d'écriture qui. Ça c'est ouf ça. Je sais que j'avais une camarade de classe qui dans les années, enfin en 2000 je crois, je me rappelle, elle écrivait dans son cahier comme ça. Genre elle écrivait pas, c'est comme ça, et elle faisait ça, elle écrivait une seule ligne grande sur les quoi deux pages. Sur les deux pages. Mais il y a des marges sur les pages, c'est fait exprès pour que... Mais je sais pas, elle était ma boule, ou elle était elle. Elle on la salue si elle nous regarde aujourd'hui. Elle avait les pleins phares, j'en sais rien. je sais pas, voilà. Donc, okay. Voilà, ça rigole. Et on se terminait par de l'histoire. Ah bon, toi tu n'as pas eu Jeanne d'Arc dans ton collège? Au lycée. Comment ça? Il y a une meuf quoi qui a brûlé en plein milieu de ta cour? Ah ou... oui, non, c'est, non, mais j'ai c'est déjà sa, expliqué, mais... sa camarade qui s'appelait Jeanne d'Arc. Il y a une meuf dans mon lycée qui s'appelait Jeanne d'Arc. C'est son fils déjà? Robès. Non, mais non. Non, si. C'est vrai? Ah oui, mais je vous ai sûrement eu la même réaction à l'époque. Oui, exactement. Ouais. C'était il y a 3 mois, gros. C'était hein, vraiment il n'y a pas longtemps. J'oublie. Eh oui, oui. Et voilà, c'est ça. Alors, on va parler d'un truc qui s'est passé. Non, on se régale. Il y a très longtemps, la préhistoire. Est-ce que tu peux me donner. Allez, deux périodes. Le paléolithique. Du temps des dinosaures. Des dinosaures Putain, mais je le savais quand j'étais ado, gros. Aujourd'hui, je suis une merde. Hugo, peut-être. De ce côté de la table. Non, mec. Le Jurassique. L'époque Jurassique. Bah oui, bien sûr, putain. Jurassique, et un petit deuxième. Non, bah là, non, c'est trop. Un petit Crétacé. Crétacé, ouais. Et Jurassique, on va justement parler du Jurassique. Pourquoi on va parler du Jurassique? Ça vient d'où, Jurassique? Du Jura. Eh bien oui. Ah, non. Mais non. Mais non.
Quel bon. C'est les 600. Je le savais. Ça vient d'Ujura. Tu ne savais pas, non, mais... Non. Je vais au plus simple à chaque fois. Ouais, mais... Ça vient d'Ujura, tout simplement. Et voilà, géologue français Alexandre Brongniart, et pas Brongniart. Ouais. Et bien, voilà, en référence au calcaire retrouvé dans le Jura, jurassique. Ouais, c'est assez simple. Hein. Jurassique. Merde. En même temps, bon, il y a des dinosaures qui s'appellent l'Argentinosaurus parce que le fossile, il a été retrouvé en Argentine. Donc, non, mais maintenant, ils ne se sont pas fait chier. Ah ouais, les à mecs. Tes enfants, tu montes la pochette du DVD de Jurassic Park. Et tu dis, c'est mon fils. C'est bien, c'est Jura. Voilà. Jura, est-ce que. Il y a un petit bonus, est-ce que vous savez le... Le Jura, merci parce que je ne savais pas où c'était. Je ne vais pas te mentir que j'ai fait hier des jeux géographiques, je suis mais claqué en géographie française. Mais t'abuses. J'ai mis des quimpers vers Strasbourg et tout. Mais c'est trop dur, gros, le pays il est tout petit, il y a 60 milliards de départements. J'étais assez naze. Est-ce que, par exemple, vraiment pour se finir, petit bonus, est-ce que tu pourrais me donner peut-être... Les dates du Jurassic. Tout le temps moi. Parce que j'aime bien. Parce que je suis à chier. J'adore l'histoire. Tu connais. Non mais attends, attention, je te laisserai pas dire ça. J'adore l'histoire. Juste, je suis nul. Mais ça m'intéresse. Ah mais j'ai pas dit que tu t'intéressais pas. Est-ce que t'as petite fourchette du coup le Jurassic, ça s'est passé de à mm-mm. C'était avant Jésus-Christ, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y, moins 150 000 à moins 100 000. Je sais rien. Gros, 150 000, enfin, c'est il y a longtemps, gros, c'est des millions ouais, d'années. Les dinosaures, on parle. C'est 65 ouais, millions d'années. Quand je t'ai dit que j'étais à chier, j'ai pas fait genre, tu vois. Bon, c'est de 201 à. Enfin, de moins 201 à moins 145 millions d'années. Ah oui, effectivement. Il y a une petite temps. Obsolescence programmée ouais. sur le dino. Il y a quelques temps, mais voilà, ça régale. Il y a des petits trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'au niveau des. Enfin, je sais pas, dans les autres trucs, peut-être. Après, moins 52, je l'avais. Moins 52 avant JC. Oui, ouais. Je sais. C'est pour ça. Si tu m'aurais demandé ça, je l'avais. Ok. Non, mais voilà, je sais pas si. Parce que, bon, dans les dinosaures, il y a beaucoup de noms comme ça qui c'est un peu. Genre, déjà, tu vois. Bon, c'est pas des dinosaures, mais déjà, tu vois Lucie. C'est juste Lucie, ça passait à la radio. Ils se sont dit, on va l'appeler comme ça. Donc, des fois, il y a des noms un peu marrants. Non, c'est vrai? Bah, c'est juste pour ça qu'il s'appelle Lucie. Je crois que c'était ça. Il y avait la chanson. Obispo terminé. Improbable. Je crois qu'il y avait une chanson qui disait Lucie. Ils ont dit ça s'appelle Lucie. Je crois. T'imagines, hein. Il y aurait alors, c'est peut-être une légende. C'est peut-être une légende urbaine, mais en tout cas, je crois que c'est ça. Et voilà, je crois. Que la chanson s'appelait pas Weshden. Ah mais. Attends, on n'a pas trouvé tous les fossiles encore. Ouais, il y a encore des noms à la con. Ah mais voilà, il y a des noms souvent à la con que c'est des insectes. J'ai hâte du premier Booba. C'est genre non mais on sait. Ouais. Lucie des Beatles. Bah voilà. Non, mais... Papani, c'était pas Obispo du tout. Ah non, mais non. Bah, ça aurait pu. Ah, je crois que c'était parce que moi je connais pas Obispo donc du coup je savais pas. Il y a une chanson Lucie Obispo. Ah non, mais c'est. Non, en fait, c'est Obispo qui a découvert Lucie. Non, voilà. C'était il y a quelques temps. Moi, je pensais même, que c'était pour la promo de son album. Ah non, je pensais que tu l'avais dit en émission ici, là, à l'instant. Ah non, mais moi je savais même pas. Je savais même pas qu'Obispo il a fait une truc Lucie. Ok, d'accord. Mais attends, Lucie. C'est quoi? C'est le premier. C'est le premier fossile. Premier fossile, ouais, bien conservé, machin ça. Ça date de quand? C'est pas si vieux que ça. Alors là, j'ai pas. On l'a trouvé vraiment il y a très longtemps. Quand j'ai vu un reportage. C'était il y a quelques temps. Tu sais, un docu fiction sur Lucie. 1974. Ah ouais, non, Lucie n'était pas écrit. Non. Et Lucie. C'est pas Obispo, les gars. Lucie, ça date de quand? Ah, la chanson des Beatles? Non. 72? Non, l'Australopithèque, elle a vécu quand? Ah! En moins 200 000. T'aimes bien hein, les 100. Mais parce que si les dinos c'était en millions, je me dis que c'est en centaines de milliers les humains. 3,18 millions d'années. Oh là là, ça dégoûte. Bah, aucun effort. Attends, pour qu'on arrive à ça, à ce faciès, il faut bien 3 la millions. La qualité du bonhomme. Il faut bien 3,1 millions d'années. Non mais oui, l'évolution ça va doucement. Lucie hein, ou comment hein. C'est quoi son second prénom? Dinkesh. Dinkesh. Ouais. Ah, parce que okay. Pourquoi pas. Donc, après Jura. Voilà, c'est tout pour ces petites curiosités. Eh bien, merci à toi, mon bon historique. Xari. Petit rappel pour ma part, non, mais pas de jingle, ça ne sert à rien. Petit rappel, sachez qu'on va changer d'heure ce week-end. C'est vrai. Bon, voilà, juste n'oubliez pas. Alors, je sais que maintenant, on s'en fout avec nos montres, avec nos téléphones, ça change d'heure tout seul. Donc, on n'a plus besoin de se rappeler de ce genre de truc. Mais tout de même, on va passer de 3h à 2h, donc on va gagner une heure de sommeil. Ouais. Quand alors, c'est dans la nuit de samedi à dimanche. Ouais, voilà. On gagne une heure sur le couvre-feu. Attends, incroyable. Je suis désolé, tu l'as dit, donc c'est 3h, il est 2h. En gros, il va être 1h, il sera 1h. Il va être 2h, il sera 2h. Il va être 3h, il sera re 2h.
C'est à dire que de 2h à 3h, tu vas le faire deux fois. Ça, ça m'aurait arrangé que ce soit. Donc si tu dis à quelqu'un rendez-vous à 2h30 du matin, il faut lui préciser quel 2h30 du matin, samedi. Ben non, il n'y en aura qu'un. Ah si, puisqu'à 3h, tu repasses à 2h. Oui, donc il est 2h30. Il va y avoir 2h30, puis ça va arriver à 3h, 2h59, 2h. En gros, ton aiguille, elle va bugger, elle va faire. Bon, ça, ça se passe pas, mais. Si, d'ailleurs, le temps remonte. Même toi, tu dors à l'envers et tout. C'est moi, je me suis fait avoir la semaine dernière. J'étais persuadé que je sais pas pourquoi. Genre, j'étais dans un autre monde, j'étais persuadé que c'était la semaine dernière. Le changement ? Le week-end dernier, ouais. Et genre, je regarde des trucs sur internet comme un débile. Et à 3h05, je vois qu'il est 3h05. Et je me dis, merde, pourquoi il est pas 2h ? Et là, je tape ailleurs. Je vais sur Google, je tape changement d'heure France. Et tu dis, ah ben non. Et j'ai la date qui s'affiche en moi. Je dis, aïe, aïe, aïe. T'es vraiment con. Mais c'est surtout que tu pensais gagner une heure. Parce que... Surtout que c'est automatique maintenant. Donc, ouais. Ah ouais, non, mais c'est pour ça en fait. Je me suis dit, mais il devrait être deux. Pourquoi, mais... il a pas... Pourquoi ça percute pas là ? Marche pas cette merde. Ah non, mais j'ai vraiment l'air con. Ça marche tout seul maintenant. Il n'y a plus trop à se faire chier. Mais si vous avez des trucs à remonter à la main, pensez-y. Par exemple, les horloges de nos studios. Hein, parce qu'il faut le savoir. Le studio du Lunch Play, on est resté avec une heure de décalage pendant 6 mois, les gars. Ils viennent de le changer, c'est cool, faut recommencer. Allez, on ouais, sera refait dans 8 mois. Rizzo qui répond juste ouais. Je continue avec une news archi-osef, mais quand même, on connaît la date de fin limite de Fast and Furious. Il n'y aura que 11 Fast and Furious. Et ils l'ont dit. Il y en a combien là? Il y en a 8. C'est le 8e là, non? Le 8 est sorti, donc. C'est sûr qu'il est sorti? Ils doivent bosser. C'est celui, ils vont dans l'espace. Ouais, ouais, le 8, je crois, ouais. Si, ah, bah 8. C'est le 9, alors celui avec la corde et tout là. Ah, peut-être, je sais plus. Si, mais c'est, bref. Le 9. Du coup, il en reste 2. Oh non. Et après, c'est terminé, fin du buzz. Après, t'auras que des Hobbs and Shaw. Ça me va très bien. Je n'ai jamais vu un seul de ma vie. Quoi? C'est vrai? J'allais faire la confidence. Je n'en ai jamais vu un seul. Jamais un, toi? J'ai vu. Non. J'ai vu, je sais pas lesquels j'ai vu en fait, mais je sais que j'ai vu le 1 et le 2, Tokyo Drift, et après je sais pas. Bah, Tokyo Drift, c'est le 3, non ? Bah peut-être alors, bah peut-être que les 3 premiers, mais en tout cas le 1 et le 2, Zecaria. Ouais, je pense aussi les 3 premiers. Et après, Osef Total. Bah ouais, Osef Total, j'avoue, j'ai moins. Alors il y a, pour le coup, autant Matrix, je vous aurais dit, c'est une honte, autant là, bas les couilles, mais quand même, non, Fast ce avec Dwayne Johnson. Fast and Furious 1, non. Fast and Furious. En fait, j'ai jamais eu ma période gros cylindré, donc. Non, mais t'inquiète, hein, gros. T'as 10 ans quand il y avait Fast and Furious. Oui, mais les voitures maintenant, c'est la problématique numéro 16 dans un. Non, mais d'accord, je sais très bien. Du coup, c'est mais, pas drôle. Alors, moi, que dans tu vois, mes potes à l'école qui étaient. Non, c'est juste, il les prenait la main pour les mettre sur les trucs. Le consentement, bordel! À l'époque, quoi, j'avais des potes qui étaient à fond dans Need for Speed et tout, moi pas du tout, et du coup, à chaque fois, ils étaient en mode droit à Need for Speed. Oh, oui! Ah bah, c'est moi au volant, ça, hein. C'est moi sur le périph'. Oh là, le beau fond vert! Bah voilà, oh là, c'est parce qu'ils veulent rentrer chez eux avant le coup. Voilà, il va être 21h, Mélanie Trompe! Et pas pris c'est évidemment. Ça, c'est un vieux, ça? C'est lequel? C'est le premier? C'est bon, ouais, ça, c'est. C'est le premier, puisque c'est la rencontre avec le flic. C'est Dominique Toretto et Paul Walker. Paix à son âme. Paix à son âme, qui était au début méchant. Enfin, méchant. Vivant. Bah, flic, quoi. Ah non, c'est lui qui est gentil et les autres sont méchants, mais en fait, tu te rends compte qu'ils sont tous gentils. Et puis, du coup, allez. Il rejoint la famille, évidemment. D'ailleurs, sachez que dans les prochains, il y a John Cena qui va être dans le film et il va jouer le frère de Dominique Toretto. Le frère de Vin Diesel. C'est Expandables maintenant. Bah, en fait, il faut savoir que dans tout Fast and Furious, tout le monde a un lien familial. Il y a un truc, c'est soit c'est la femme d'eux ou le fils d'eux ou le frère d'eux ou le frère de la sœur du fils du mari. C'est les feux de l'amour, le bordel. Au bout d'un moment, quand tu auras plus de frères et de sœurs à aller chercher aux quatre coins du monde, voilà, ils tireront le rideau, terminé. Bah, bref, dans deux épisodes. Exactement. Il nous reste quelques minutes avant de passer aux vidéos de Xari. Je viens de recevoir ça. iPhone 12. Tu n'es pas content. Ça va rentrer directement chez Apple. À votre avis, pourquoi? Alors, s'il y en a qui savent, je sais. Honnêtement, tu sais. C'est chaud, mais je pense savoir. C'est vrai? Les connards. Il était dans les messages avant. Ah oui! Il était avec moi dans le filage. Ouais. Alors, à votre avis, pourquoi je vais l'envoyer? Moi, je sais. Putain, je ne dis rien, je ne spoil pas. À ton avis, Zekaria? Tu m'as spoilé tout à l'heure aussi. Je l'ai dit à tout le monde? Non, pas à lui. Non, mais moi, je sais, gros. Bon, regardez-moi ça! Regardez-moi cette honte. Alors qu'actuellement, je possède un téléphone rouge. Alors, c'est très con ce que je vais dire, mais un téléphone rouge qui fonctionne parfaitement. Donc, vous allez me dire pourquoi tu le changes. C'est autre chose.
d'un beau rouge rouge qui est du même rouge que la montre. Donc tout ça fait sens, tu vois. Je prends l'iPhone 12 rouge. Il est rose. Il est pas rose, gros. Il est pas rose. Ça, c'est rouge. Il est corail. Il est pas rose. Il est saumon. Non, il est corail. Pas saumon. Il est saumon de cette couleur-là, je le mange pas. Il est pas du tout saumon. En saumon, c'est rose. Ça, c'est corail. Putain, ah non, il est rouge, dégueulasse à côté de mon. L'autre est rouge sang. Par contre, bah oui, il est dégueulasse. Alors, ça, c'est vampire et ça, c'est quoi? C'est pastel. Ouais, j'avoue. 1000 balles pour du pastel, non? Voilà. Ta pomme ressort noire ici et du coup ça donne vraiment une teinte super bizarre. Il y a un miroir là. Oui, c'est un miroir. Ah d'accord. Parce qu'en noir, ça vous rendait vraiment. De yeux à yeux. De yeux à yeux, bah. De yeux à produit. Mais c'est saumon. Non, ça c'est pas saumon, tu sais. Ah, tu commences pas à dire que le cramoisi c'est du rouge. Bah, je suis désolé, mais tu vois là. Je troll. Hein. Là, t'as ça, tu te dis. C'est corail. Ok, je suis un vampire, on est là. Là, je suis désolé, je suis quoi? Je suis devoir l'explorer. En même temps, c'est pas la gamme raide ça. Ah si. Si, c'est la gamme raide. C'est corail, c'est dégueulasse. Ah ouais. Ça dégoûte. Ah, on est sûr. C'est vrai que c'est très moche. Terrible. Voilà. Donc, ça va dégager, puis ça va revenir dans une autre couleur. Déjà que le produit n'est pas fou. Et comme les autres couleurs vont pas me plaire, bah du coup, je vais devoir prendre le pro. Voilà, on va relâcher 200 balles. T'as dit, c'est 1000 balles par mois, sinon ça marche pas, ta vie. Ça dégoûte. Ça, je suis déçu. Voilà. Non, mais en plus, ça me fait chier, parce que je vais devoir prendre une autre couleur qui va pas me plaire, parce que j'aime le rouge. Du coup, je me dis presque, est-ce que je vais pas juste reprendre le même que celui-là, mais pas casser? Oui, parce que je l'ai jeté sur le carrelage. Bon, c'est autre chose. Tu mets pas de coque sur tes téléphones? Jamais de la vie. Jamais. Oula, j'ai dit un truc. C'est la dernière des salopes si je mets une coque pour protéger ça. Moi, je mettrai des coques uniquement quand Rhinoshield me sponsorisera. Sinon, non. Pas de coque. Parce que c'est moche, les coques. Bon, non. Si. Bah, désolé, je vois ton truc. Non, si. Pour enfants, c'est dégueulasse, les coques. Mais surtout que ça empêche de glisser. Ça protège. Moi, mon téléphone, je peux pas le tenir dans la main sans qu'il glisse de ouf si j'ai pas de coque. Mais mon téléphone ne glisse jamais, qu'est-ce que tu racontes? Bon, après, t'as des mains un peu plus grandes que moi. Moi, j'ai des mains, c'est miniature, tu vois. Mon téléphone est plus grand que ma main, donc. Ça, je peux comprendre. Bon, bah voilà, fin du sujet. Il n'y a rien d'autre à dire à part que ne l'achetez pas en rouge, c'est dégueulasse. Vous voyez, sondage. C'est saumon. Bah voilà, c'est mais ils n'ont pas mis corail, forcément. Mais non, mais je troll pas. C'est corail. Le débat. Corail, couleur, désolé, mais. Mais c'est corail. Ah, t'as raison, en vrai c'est corail. Mais oui, c'est corail. Il a raison, c'est corail. Ben, je vais arriver chez Apple, je dis, c'est pas rouge, c'est corail. Ils vont me dire, mais il est con, tu vois. Ils ont raison. On y va, quelques vidéos, c'est parti, jingle. Il y en a ici qui ont joué à GTA. Oui, bien Hugo. Sûr, bah oui. Sûrement, c'est quoi la touche pour cabrer en Y? Pour freiner? Non, pour cabrer en Y. Ah bah c'est stick vers l'arrière. Ouais, stick vers l'arrière ou contrôle je crois sur clavier. Bah là malheureusement tous les sticks étaient dehors. Hein. Pas mal l'intro. Bon, intro ça... ludique. Ça... intro ça vidéo va... ludique. Ça va partir d'un coup là. Ouais. Ça, j'ai trop envie de faire de la motocross moi. Et de la petite. Pas une motocross. Ouais, ça part mal. Ça sent déjà la maîtrise. Attention et là la stick arrière là. Oh non. Oh là là. Tout ça pour ça. Oh. Mort. Après ça va, c'est des motos qui sont faites pour tomber. C'est oui, mais elle est peut-être pas faite pour tomber, je sais pas. Mais... Oui. Ouais, elle a pas l'air de s'être fait très mal. Hein. Bah, elle s'est quand même râpé le cul, je pense. Sévère, sévère. Mais bon, faites attention, quoi. Après, enfin moi honnêtement, je vois les 10 premières secondes, je fais, ok, descends, on va refaire. On va revoir l'embrayage. On va revoir le début parce que là, il y a souci, je le sens pas. Bon, un mec qui coupe un bout de bois, un tronc ou voilà, et puis ça se passe bien. Ça rigole déjà en régie, donc. Ça, mais j'ai l'impression qu'on voit la même vidéo tous les mois. Ah non, ça c'est juste regarde. Oh là là. Wow. Oh putain, let's go. Incroyable. Oh, le tronc flip challenge. Trop fort. Trop fort. Le boss, c'est, ouais, c'est pas mal. Bon, vous le savez, les bars, c'est un peu la merde en ce moment. Mais il y a une problématique intrinsèque aussi au Covid à l'intérieur des bars. C'est quoi? Dans les bars, il y a quoi? Qu'est-ce que tu peux te dire? Des verres. Des verres. Ouais. Tables, mais il y a d'autres des, trucs. C'est un des cacahuètes. Les vieux bars. Ah, des cacahuètes, des machines à cacahuètes. Des machines à olives. Les tireuses, hein? Ah non. Mais non, les machines enfin, où les tu mets... Les clients, ils... Les fléchettes. Ouais, pas vraiment, mais... Flipper. Ah ouais. Comment tu comptes le fait que tout le monde met ses mains sur le truc? Ah bah, tu nettoies à chaque client. Non. Ah, attends, tu mets des gants ou un truc comme ça, non? Tu caches les boutons. Non. Tu le détruis, le flipper. Ah, non. Tu mets... Non. Tu utilises tes pieds. Eh ouais. Il a pas des pédales.
Des pédales qui en gros font l'effet de l'appui des boutons. Et du coup, ingénieur, le mec. Tu peux jouer, voilà. Ah oui, mais même avec le pied, il tire la bille. Full flipper avec les pieds. C'est bien en vrai. Donc, c'est bien. Bon, après, c'est vraiment fait chier pour gagner pas grand chose, mais au moins, les gens peuvent jouer au flipper dans son établissement et ça marche, donc ça régale. Par contre, ils vendent quand même des vases avec des têtes comme ça à droite, là. Non, la tronche des vases à côté. Après, quand j'ai dit avec les pieds, je pense que Max pensait qu'elle allait jouer avec les pieds. Oui, bah pareil. Mettez ses pieds au niveau des trucs et était en mode vas-y, je suis archi chaud. Non, c'est juste. Voilà. Si t'étais possible, pas le temps pour une dernière. Minute, on a le temps des deux parce que regarde, là c'est où est le papillon, ça va aller très vite. Ah, il est à la feuille. Ouais, mais c'est bien, c'est beau jeu quand même. Magnifique, c'est le jeu. Oh. Et le dernier, dernière vidéo, c'est comment ranger ses affaires sur Star Citizen. Star Citizen. attends, que tu vas voir. Attends. Il se relève, elle est plus là. Elle est plus là. Forcément, elle est dans son inventaire. Et voilà. Ils sont 100% cons. Ok. Merci à toi pour ces quelques vidéos. Merci Hugo, merci Sunday, merci Zekana d'avoir été avec nous. On rappelle merci. Ton livre, enfin votre livre, Histoire de guerre, que vous pouvez retrouver évidemment dans toutes les bonnes librairies. N'hésitez pas, c'est de la bonne cette histoire. Et comme ça, on apprend des tonnes de trucs en s'amusant. C'est très très cool. On se retrouve pas dans quelques instants, puisque tout de suite, eh bien, c'est une petite rediffusion du grand quiz. Car il n'y a pas Game of Thrones ce soir. Donc rendez-vous lundi. Salut.